Oui, bonjour, bienvenue à tous à ce forum sur la 5G, donc la nouvelle génération de communication mobile qui commence à arriver en France. Alors, en ouverture, pour en parler, je suis avec la députée d'Agir, Laure de La Raudière. Bonjour. Bonjour. Écoutez, pour commencer, donc voilà, cette techno commence à arriver, les opérateurs ont eu leur fréquence, la 5G commence à être déployée dans l'Hexagone. Qu'est-ce qu'on peut attendre, qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette technologie? Ah, cette technologie est très prometteuse en fait. C'est pas juste un continuum 4G, 5G. Elle va apporter beaucoup plus de débit. Et ça, c'est le premier enjeu, je dirais, de déploiement dans les grandes villes, parce que les réseaux 4G risquent de saturer à court terme. On parle de 2022. Donc, il faut être capable de proposer, en fait, un nouveau réseau pour que les habitants des grandes villes puissent continuer à utiliser leurs équipements comme ils le souhaitent. Et puis, surtout, dans un deuxième temps, on parle de nouveaux services qu'offrira la 5G, Le parce B2B. qu'il y a des faibles délai de latence, c'est-à-dire qu'il y a des transits qui sont beaucoup plus courts dans les communications et des très hauts débits. Donc on parle d'enjeux industriels avec le développement des objets connectés sur les lignes de production. On parle de la possibilité de déployer des voitures autonomes qui seront capables de dialoguer entre elles beaucoup plus rapidement qu'avec la 4G. Ou on parle aussi d'applications de téléchirurgie embarquées, par exemple dans une ambulance, ce qui permettrait de sauver des vies. D'accord. Alors la 5G a des caractéristiques propres, hein, vous le disiez, qui vont arriver à partir de 2022 ou de 2023. On parle de l'Internet des objets, de pouvoir connecter des milliers, voire des millions d'objets à ce réseau, ce qui n'était pas possible auparavant avec la 4G. Le network slicing, qui permet par exemple de réserver une partie de la bande passante à un usage particulier. La latence, vous en avez parlé, la réponse du réseau en fait quand on le sollicite, qui permet notamment peut-être des innovations en matière de télémédecine. C'est important pour la France, pour la compétitivité de la France, de pas rater ce virage-là. C'est extrêmement important pour la compétitivité de la France. Toutes les études économiques montrent que la 5G, ce sera le réseau en fait support de l'ensemble des usages industriels de demain et de l'ensemble des services en fait à la population en mobilité. Donc, si la France prend du retard dans le déploiement, elle n'aura pas non plus les usages industriels ou la fabrication des objets connectés ou la compétitivité dans son processus industriel en France. L'Allemagne ne s'y trompe pas, hein. Ils ont mis 6 milliards de leur plan de relance sur la 5G. Il y a déjà des enjeux industriels très forts qui sont présents en Allemagne. C'est pour ça d'ailleurs, d'un point de vue politique, que je ne comprends pas que certaines villes, alors principalement dirigées par, enfin, dirigées, dont le maire est écolo, aient voté des moratoires en fait contre la 5G. Aujourd'hui, toutes les études en matière de santé ont déjà été faites. Il y en a plus de 28 000 dans le monde qui ont été faites et qui ont montré qu'il n'y avait aucune nocivité des ondes électromagnétiques au niveau d'émission, au niveau réglementaire de l'émission. Et aujourd'hui, par rapport au niveau réglementaire fixé en France, la moyenne, en fait, on est 50, le niveau réglementaire est 50 fois plus bas que les mesures que l'OMS, parce que l'OMS, le problème des peurs des gens, c'est que l'Organisation mondiale de la santé a classé ces zones comme potentiellement cancérigènes. Mais c'est un niveau 50 fois supérieur au niveau réglementaire de la France. Et en plus, quand on fait les mesures faites par l'ANFR, je crois que vous aurez tout à l'heure Gilles Brégand dans le forum qui pourra en parler beaucoup mieux que moi, mais les mesures que fait l'ANFR montrent qu'on est très 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 en deçà des niveaux réglementaires. Donc voilà, c'est dommage que certains élus ne poussent pas dans le sens du développement de la 5G, parce que c'est un enjeu de compétitivité de la France, c'est un enjeu de désaturation des réseaux mobiles. Et aujourd'hui, personne n'a envie de se priver, en fait, d'utiliser les données sur son mobile. C'est D'accord. juste dans l'usage quotidien des gens. Le risque pour certaines villes qui sont pour l'heure, dont les équipes municipales sont plutôt opposées à la 5G, c'est quoi? C'est une perte de compétitivité locale
Mais c'est surtout un moindre service offert à la population. Aujourd'hui, les services, ce qu'attend de la population en matière de numérique, c'est un très bon accès. Et c'est une demande très forte de la population. Moi, je viens d'un milieu rural. La demande, c'est d'avoir un accès fixe de qualité et la 4G. Alors, ça, j'entends certaines populations qui me disent « mais la 5G, on n'a rien à faire parce qu'on aimerait bien avoir la 4G ». Et ça, c'est essentiel aussi de déployer la 4G pour tous les habitants qui ne l'ont pas. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Et donc, pour ces élus qui… Enfin, le vin pas sans l'autre. C'est-à-dire ces deux projets qui sont menés en parallèle aujourd'hui par le gouvernement et par les opérateurs. La 4G, c'est dans le cadre du New Deal, où là, on développe de nouvelles antennes pour combler, en fait, des zones blanches, voire des zones grises aussi. Et puis, la 5G dans les grandes villes pour désaturer le réseau dans un premier temps. Ces élus, en fait, ils vont offrir, s'ils persistent dans cette position, eh ben, leurs habitants auront une moindre qualité de service, d'accès à Internet. Et je crois que c'est pas raisonnable, en fait. Je pense que ces élus, au fil du temps, vont évoluer. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Là, aujourd'hui, les opérateurs commencent à déployer la 5G. Mais en vérité, beaucoup estiment que la France est déjà en retard dans la 5G. Les enchères de fréquences, initialement, devaient avoir lieu au printemps dernier. Le Covid est arrivé. Et finalement, les opérateurs n'ont eu ces fréquences qu'il y a quelques semaines, assez tardivement, finalement. La Chine a déjà déployé largement la 5G à ses premiers clients 5G depuis longtemps. Les États-Unis aussi. Les entreprises locales travaillent déjà sur des innovations en 5G. Est-ce qu'on a raté le train ou pas, d'après vous ? Alors, on est en retard, c'est vrai, sur le lancement commercial de la 5G par rapport aux autres pays européens sur l'attribution des fréquences. Bon. Moi, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Vous savez, on n'a pas été en avance sur le déploiement de la fibre au départ. On disait, la France est en retard sur le très haut débit. Je me souviens des chiffres de 2015, 2016, 2017, où on avait pris du retard par rapport aux autres pays. Là, on est le premier pays Europe en matière de nombre de fibres. Vous savez, hein, moi, l'histoire du lièvre et de la tortue s'applique aussi aux enjeux industriels. Mais maintenant, il ne faut pas perdre de temps. Il ne faut pas qu'on ait des levées de boucliers de certains élus qui ont une vision idéologique contre le progrès, soyons clairs, qui empêche en fait la France de s'emparer de ces enjeux industriels, des enjeux de réseau, qui sont extrêmement importantes à terme pour les Français. Je ne suis pas inquiète, on le rattrapera ce retard. D'accord. Le risque, ce n'est pas finalement... que la France se retrouve, que les entreprises françaises se retrouvent à acheter des services chinois ou américains sur étagère. Finalement, la France, au tout début, dès le développement du GSM, a été plutôt en avance, l'Europe a été plutôt en avance dans le mobile. On a repris un retard conséquent sur la 4G, il n'y a pas de GAFA en Europe. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous inquiète avec la 5G? Est-ce que l'histoire va se répéter? Ou est-ce qu'au contraire, on a peut-être une opportunité, si on se saisit rapidement de cette technologie, de refaire un petit peu notre retard, notamment sur la Chine et les États-Unis? Vous avez raison que sur le numérique, on a beaucoup de retard en matière de développement d'entreprises de taille mondiale pour être en compétition avec les Chinois et les Américains. En revanche, on a des compétences en France en matière de développement des objets connectés. On est reconnu dans ce domaine-là. On a des compétences maintenant dans le domaine numérique. On a du financement. Donc s'il y a un discours politique et s'il y a une ambition, en fait, pour pouvoir développer tous les services autour de la 5G, on a la capacité, en fait, d'ouvrir une nouvelle voie économique là-dessus. Il faut que, je dirais, l'ensemble des politiques puissent porter ce message-là. Vous savez, les investissements et le développement économique se passent dans un univers de paroles politiques qui est important. Il faut donner confiance aux gens que la France est un bon endroit pour investir, qui est un bon endroit pour investir dans la 5G, pour développer des modèles économiques autour de cette technologie. Moi, c'est ce que je fais, parce que je crois en cette technologie comme étant capable de résoudre des problèmes de société qu'on peut avoir
avoir aujourd'hui aussi. Je vais donner un exemple. Les gens qui sont contre la 5G en France disent que ça consomme trop d'énergie. Tous ces outils numériques consomment trop d'énergie, donc ce n'est pas bon pour lutter contre le... C'est pas bon pour la planète. Moi, je dis, c'est avec le progrès qu'on sera capable de résoudre les enjeux de lutte contre le réchauffement climatique. C'est grâce à ces objets connectés sur les réseaux 5G, déployés dans les immeubles, déployés dans des villes, déployés dans le monde industriel ou le monde agricole, qu'on va être capable de moins consommer. Moi, j'en suis de mieux piloter, en fait, notre consommation énergétique et donc d'avoir une empreinte carbone meilleure. Donc voilà, il faut vraiment y aller. Il faut avoir confiance dans le progrès, retrouver cette confiance dans le progrès. Et la France a tous les atouts pour gagner au niveau européen ou au niveau mondial dans ces nouveaux modèles économiques. Et je vous entends, mais certains en doutent quand même. Avec la 5G, de plus en plus de données seront dans le cloud, de plus en plus de services seront directement intégrés dans le cloud. Là, récemment, on a vu Orange signer avec Amazon et Google Cloud. On a vu Nokia signer aussi avec les GAFA dans le cloud. Peugeot aussi également a signé des contrats avec des GAFA. Sur ce créneau-là, qui est très important avec le déploiement de la 5G, on a l'impression qu'on est déjà extrêmement dépendant des services américains. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il faut, alors, vous avez raison, hein, les services cloud aujourd'hui sont ultra dominés par les GAFA, notamment par Microsoft, Amazon et Google. Mais il y a un enjeu de souveraineté au niveau européen qui est, c'est une expression politique assez récente. Et il y a une volonté de développer des clouds au niveau européen pour pouvoir reprendre la main sur la conservation des données et sur l'exploitation des données. C'est un enjeu majeur. Hein. Donc voilà, moi je crois que les histoires économiques ne sont jamais écrites, qu'il y a des histoires aussi géopolitiques qui fait que maintenant on se dit c'est quand même un peu dangereux d'un point de vue de sécurité que l'ensemble de nos données soit administrées par quelques géants uniquement et en plus sur quelques géants qui ne soient pas européens, sur des serveurs américains. Donc il y a une vraie prise de conscience, elle est assez récente hein. Au niveau européen, je pense que c'est la nouvelle commission, donc ça date uniquement de 2019. Au niveau politique, c'est en français, c'est plutôt de 2017-2016. La souveraineté numérique. Voilà, la souveraineté numérique. Mais peu de gens en parlaient il y a quelques années. Je me souviens, on se sentait un petit peu seul sur ces sujets. Aujourd'hui, c'est devenu mainstream d'un point de vue politique et c'est une bonne chose. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup, Madame de La Rodière. Et on se retrouve. Merci à vous. Je vous en prie. Et on se retrouve dans 2 minutes pour la première table ronde de cette matinée. Merci. Ready to meet the demands of connected consumers and companies. But this 5G is anything but ordinary. This 5G is driving video surveillance and analytics from being alert to eagle-eyed. This 5G is elevating fixed wireless access experiences from fun to phenomenal. It's enhancing the quality of content to make the virtual very real for the ultimate immersive experience. And it's raising the game in stadiums, making sports smarter for fans with real-time overlays, adding an extra dimension to extra time. Yes, this 5G knows where it's going. Literally. It's improving how vehicles communicate with their environments, making every trip an entertaining and traffic-free one. It's transmitting life-critical data faster to help medical teams diagnose and administer treatment more efficiently. This 5G is mobilizing industry.
connecting factories and machines to achieve unprecedented levels of automation and productivity. Not just on premises, but also programmable through the cloud. It's all part of an end-to-end portfolio that's helping mobile operators monetize the opportunities that 5G brings. Welcome to Delivering the Extraordinary. Bonjour et bienvenue à cette première table ronde de ce forum sur la 5G. Cette première table ronde qui porte sur les enjeux et puis les perspectives de l'arrivée de cette nouvelle technologie. Alors donc avec nous on a Thierry Boinon, le président de Nokia France. On a Éric Botorel. Bonjour Éric Botorel, le député LREM des Côtes d'Armor et fin connaisseur du numérique et des télécoms, et puis Guy Pujol, qui est professeur à la Sorbonne. Bonjour. Et donc pour commencer, on a la chance Gilles Brégand de l'ANFR, de l'Agence nationale des fréquences, avec qui d'ailleurs on va commencer, parce que vous allez pouvoir nous donner quelques nouvelles du front, si j'ose dire. En fait, tous les opérateurs télécoms ont dû ces derniers temps faire des demandes à l'ANFR pour pouvoir allumer en fait de nouvelles antennes 5G sur le territoire, et donc vous publiez en fait aujourd'hui ou depuis quelques jours ces nouvelles cartes qui montrent les nouveaux sites qui vont être allumés a priori prochainement par les Orange, SFR, Bouygues Télécom et Iliad. Est-ce que vous pouvez nous dresser un petit panorama de ce qui nous attend finalement dans les prochaines semaines? Oui, aujourd'hui, début décembre, en France, la 5G est déjà une réalité puisque nous avons reçu beaucoup de demandes d'autorisation de la part des opérateurs mobiles. La 5G fonctionne dans les bandes de fréquences qui viennent d'être attribuées, la bande 3.5, mais elle fonctionne aussi dans les bandes qui sont utilisées pour la 2G, la 3G, la 4G. Et effectivement, nous avons rendu public récemment la liste des émetteurs autorisés par l'Agence des fréquences, avec une grande majorité d'émetteurs autorisés dans les bandes basses, donc qui vont faire de la 5G dans des bandes aujourd'hui utilisées pour la 4G. Donc on a au total environ 15 000 émetteurs autorisés dans les bandes basses, des émetteurs autorisés non seulement dans les grandes villes, mais aussi dans beaucoup d'endroits en France. Dans tous les départements de France, on a des émetteurs 5G qui sont prêts à fonctionner. Et également, depuis moins longtemps, puisque les licences ont été accordées par l'ARCEP à la fin du mois d'octobre, on a aussi des demandes dans la nouvelle bande 3.5 qui va apporter plus de débit et qui, cette fois-ci, est plutôt dans les métropoles. D'accord. Donc, aujourd'hui, oui, environ 16 000 sites en France autorisés et plus chaque semaine, ce qui est assez important puisqu'il faut quand même avoir en tête que pour la 4G, par exemple, on a 52 000 sites autorisés pour tous les opérateurs, donc presque un tiers finalement de ces sites sont déjà équipés en 5G, et je souligne que ce sont des sites 5G qui sont des sites existants. Il n'y a pas eu de construction D'accord. de sites pour la 5G, ouais. Ce sont des sites existants qui ont été upgradés en 5G. D'accord, ok. Alors, ce qu'on voit dans ces nouvelles cartes que malheureusement on n'a pas pu, on peut pas vous montrer directement ce matin, mais qui sont accessibles sur Twitter, c'est que on a trois opérateurs qui sont Orange, SFR et Bouygues Télécom qui commencent à couvrir en fait finalement les principales villes, les principales agglomérations, les cœurs de ville. Et on a un opérateur, Iliad, qui lui, en tout cas, souhaite allumer peut-être davantage de sites en bande basse, en bande 700, si j'ai bien compris. Et donc, il couvre davantage de populations que les autres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe, a priori, pour cet opérateur, notamment? Alors, c'est difficile de donner un point de vue à la place de l'opérateur. Il aurait été beaucoup mieux en situation d'expliquer sa stratégie. Donc, je ne vais pas tenter d'expliquer sa stratégie. Ouais. Simplement, je veux souligner qu'Iliad a aussi prévu de mettre des émetteurs dans la bande 3.5, puisqu'il a aussi acheté la bande 3.5. Il a aussi des émetteurs autorisés en bande 3.5, comme les autres opérateurs. Simplement, il faut aussi avoir en tête qu'il y a un réseau qui est récent, puisque c'est le dernier opérateur arrivé sur le marché français.
Et il est vraisemblable que les émetteurs 4G qu'il a installés depuis quelques mois ou quelques années aient une capacité 5G. Donc en fait, il a simplement sans doute activé l'option 5G sur les émetteurs dont il s'est doté dans le cadre de son plan de construction de réseau. D'accord, ok. Très bien. Bah, écoutez, Thierry Boinon, je vais poursuivre avec vous. Alors, vous êtes en plus l'équipementier de référence d'Iliad. Mais quels sont les enjeux? Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette nouvelle technologie, d'après vous? Oui, effectivement. Alors, d'abord, la 5G, effectivement, est un enjeu énorme de compétitivité en France, en Europe et dans le monde. Mais pour l'Europe, et peut-être... Si on se focalise un petit peu sur l'Europe, c'est vrai que c'est un enjeu extrêmement important de compétitivité. On voit bien que la 5G, et je crois que lors de la redire, on a un peu parlé effectivement un peu plus tôt, mais c'est l'enjeu primordial pour tout ce qui sera développement de l'industrie 4.0. Mmh. Donc non seulement il va falloir avoir l'infrastructure, mais il va falloir avoir la chaîne complète effectivement de tous les éléments qui vont concerner la 5G. Mais par définition, il faut d'abord l'infrastructure. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, en Europe, en France, on est plutôt dans le milieu de développement. Les déploiements ont commencé, comme vous dites, effectivement. En retard par rapport au monde entier, on va dire. Mais effectivement, on voit qu'en Europe, on est plutôt dans la grande moyenne, plutôt en avance. Il y a encore moins de la moitié des pays en Europe qui ont distribué toutes les fréquences. Donc, on n'est effectivement pas encore dans le développement complet. Et puis d'un point de vue nombre de sites, si on le compare un petit peu par rapport au monde, on voit bien qu'effectivement en Corée, il y a eu beaucoup de développement. Fin 2019, il y avait déjà pratiquement, si on met des ratios, on avait à peu près 1500 sites déployés pour 1 million de population, alors qu'en Europe, on en était à quelques dizaines. Bon, évidemment, on rattrape beaucoup ce retard, on rattrape le retard par rapport aux États-Unis. Nous, ce qu'on en dit, c'est que l'enjeu n'est pas vraiment que le déploiement de l'infrastructure. L'enjeu, il est effectivement sur le deuxième volet qui est la problématique de l'industrialisation. Mmh. Et l'industrialisation viendra aussi avec à la fois les 5G et les fréquences et les réseaux qui sont déployés aujourd'hui, mais aussi les réseaux qui seront dans la bande des 26 gigas, qui sont tous les prototypes sur lesquels on travaille. Il y a effectivement un an... à peu près maintenant, en octobre 2019, il y a eu un certain nombre de projets qui ont été lancés et supportés par le gouvernement. Nous-mêmes, Nokia, on en a fait 7 sur les 14 qui ont effectivement été développés. Et on en est maintenant aux phases de pilote et de test. Donc on fait des tests la semaine prochaine, par exemple, sur le Vélodrome, où effectivement on commence à des cas d'usage. On a travaillé avec la SNCF et avec Orange sur la gare de Rennes. Et c'est vraiment l'enjeu de la 5G dans le futur qui sera la 5G qui va supporter l'industrie. Non pas seulement les 26 gigas, mais ça sera bien l'ensemble de qui va supporter. Mais donc, notre vrai enjeu est de ne pas manquer ce deuxième rendez-vous, qui n'est pas forcément le premier rendez-vous du déploiement de l'infrastructure initiale, mais vraiment le déploiement qui correspondra... D'ici 2022-2023, avec les enjeux B2B. D'ici 2022-2023, avec les enjeux, effectivement, à ce moment-là. Donc, il est temps d'accélérer, mais je pense qu'en France particulièrement et en Europe, on voit vraiment l'accélération en ce moment. D'accord. Éric Botorel, vous êtes d'accord avec Thierry Boinon sur ces enjeux à terme, notamment concernant le B2B dans les années à venir? Oui, c'est essentiel. Enfin, je pense que d'ailleurs dans les débats qui se sont installés dans notre pays autour de la 5G, et ils sont nombreux, il a fallu rappeler à quel point cela pourrait servir à la fois l'industrie 4.0, la santé, la mobilité. Bon, je vois d'autres champs, sur la culture, sur l'immersion dans la visite de musées actuels. On n'en parle que trop peu. C'est vrai que parfois on est très très orienté vers des sujets qui sont des sujets très éloignés du quotidien des Françaises et des Français. Mais en vérité, la 5G demain servira des services qui leur paraîtront tout à fait essentiels, avec des cas d'usage qu'ils auront adoptés et dont on peut pas prédire aujourd'hui qu'ils vont exister, parce que c'est ainsi que la magie du numérique opère et qu'il y a une part de sérendipité, de choses non prédictibles, qui font que la disponibilité de cette infrastructure qui va amplifier, démultiplier les capacités de transmission de données à la fois en vitesse, en bande passante et en latence, vont certainement susciter la créativité d'un certain nombre de start-up, d'entreprises qui vont se saisir des nouvelles capacités de ces autoroutes de l'information pour développer de nouveaux services. Et on en reparlera dans 5 ou 6 ans. Et vous verrez comme des évidences, des choses qui auront été adoptées entre-temps.
et dont on se dit aujourd'hui pourquoi ce pari de la 5G. J'entends ici quelques frileux dire on pourrait faire un stop, s'arrêter, n'avoir que la 4G, attendre un peu. Il est un peu tôt pour leur dire vous avez tort tout de suite. Je suis persuadé que dans 4 ou 5 ans, on fera la démonstration à la fois dans les usages au quotidien et en même temps, comme le rappelait Thierry Boinon, pour la compétitivité de nos industries, donc sur des usages beaucoup plus B2B. Nous verrons que nous ne pouvons pas nous passer parce que les autres pays ont adopté cela et que nous sommes dans une forme de concurrence et de compétition qui fait qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des routes qui soient moins fréquentables, plus cabossées et plus lentes à circuler. Très bien. Guy Pujol, est-ce que vous êtes d'accord avec Eric? Est-ce qu'on ne pourra pas se passer de la 5G dans quelques années? Est-ce que aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a énormément de questionnements sur les usages? On aimerait aussi pouvoir dire au moment où on lance une technologie, ah bah ça va servir à ci, ça va servir à ça. En fait, c'est toujours compliqué, voire impossible à définir en amont. Mais est-ce que on ne pourra plus se passer de la 5G dans quelques années et finalement le débat qu'on a aujourd'hui n'aura plus lieu d'être? Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Je pense que le problème aujourd'hui, c'est qu'on réduit souvent la 5G à la partie radio, c'est-à-dire pour aller de son smartphone à l'antenne. Or, en fait, la vraie révolution de la 5G, elle n'est pas là, elle est derrière. Elle est dans le réseau cœur, dans le réseau d'accès, avec l'arrivée, entre autres, de data centers. Et donc, les spécifications ont été prises il n'y a pas si longtemps que ça, en juin de cette année. Donc, le temps que cette révolution arrive, hein, il va se passer quelques années. Donc aujourd'hui, on est sur le déploiement. Donc pour moi, on n'a pas de retard, il faut arriver à temps. Au moment où vraiment, justement, l'industrie 4.0, etc., pourront se mettre en route, et ben c'est là qu'il faudra être présent. Donc je suis vraiment tout à fait d'accord que c'est une révolution, mais la révolution, pour moi, elle n'est pas dans la radio. La radio, c'est une évolution. C'est-à-dire que c'est bien, hein, on va plus vite. Mais c'est pas ça. Hein. La vraie révolution, c'est les services qui vont arriver avec les centres de données que l'on va mettre derrière. Donc, et qui va tout à fait dans le sens de la numérisation des entreprises. Et je veux dire que si on n'est pas là, à un moment donné, nos entreprises ne sont pas compétitives. Donc, il faut y aller. Gilles Brégan, est-ce que, d'après vous, la 5G, justement, donc c'est pas exactement pareil que pour les générations précédentes, il s'agit plus simplement d'amener davantage de débit, on va avoir une latence plus faible, la capacité à connecter énormément d'objets, le network slicing. Est-ce que, d'après vous, c'est un vrai changement de paradigme par rapport aux générations de communication mobile précédente? Je pense que Guy Pujol a bien posé la situation, c'est-à-dire que du point de vue radio, parce que l'agence des fréquences, c'est plutôt la radio qui nous intéresse, c'est effectivement plutôt une évolution. La 5G, d'ailleurs, pour moi, c'est un continuum qui commence, puisque la 5G, ça va durer 10 ans, comme la 4G auparavant. Donc la 5G de 2021 ne sera pas la même que celle de 2028. On aura des évolutions régulières. Et effectivement, au niveau de la radio, c'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'évolution naturelle de la technologie. On ajoute des fonctions, on augmente la boîte à outils. Ce qui va être nouveau, comme l'a dit Guy Pujol, c'est ce qui se passe au cœur du réseau, parce que là on a des systèmes distribués qui vont en fait modifier complètement les possibilités des réseaux de télécom. Mais on a surtout une révolution au niveau des usages, parce qu'on va gagner de nouveaux usagers. La 5G, ça va apporter le sans fil à des secteurs industriels qui pour l'instant fonctionnent avec des câbles Ethernet. Donc c'est ça qui va être tout à fait nouveau. On va révolutionner en augmentant le nombre de personnes qui vont dépendre du sans fil. Thierry Boinon, je reviens sur les expérimentations qui ont commencé en fait en 5G. Vous parliez tout à l'heure de la bande des 26 GHz. Et je reviens sur cette problématique du retard français en la matière. Quand l'ARCEP a ouvert ces bandes des fréquences pour faire des bacs à sable, hein, je cite Sébastien Soriano, le président de l'ARCEP, quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, il nous a fait comprendre que finalement, ils avaient été un petit peu déçus du manque d'appétence des industriels français pour la 5G. Il y a eu certes quelques projets qui ont été lancés et auxquels vous participez, mais globalement, est-ce que, d'après vous, les industriels français ont conscience que cette technologie pourra leur permettre de gagner en compétitivité plus tard, et est-ce qu'ils se saisissent suffisamment tôt et correctement, si je puis dire, de cette technologie? Oui, alors peut-être que je vais revenir sur le point qu'Eric a évoqué juste avant, parce que
effectivement, c'est un peu la mise à disposition de la capacité qui crée aussi les cas d'usage. Il est très difficile de les imaginer avant. Nous-mêmes, on a équipé notre usine, effectivement, à Oulu, en Finlande, où on a équipé avec de la 5G, on a effectivement équipé pas mal de robots, de connexions sans fil et autres, et on voit entre 30 et 50% d'économies par rapport à ça. On a fait, il y a très peu de temps, on a équipé une usine avec Schneider Electric et Orange, où on a participé effectivement à des plans sur un peu l'usine du futur et de voir comment ça fonctionne. Et on s'aperçoit bien qu'on a effectivement ces économies d'échelle. Seulement, ça demande un changement en général de process complet. C'est-à-dire que la digitalisation, ce n'est pas seulement juste de dire on digitalise une partie. Ce qui a été rappelé effectivement juste avant, c'est qu'il faut considérer la chaîne complète. Donc il faut considérer de l'applicatif jusqu'à l'élément d'usage, au robot ou effectivement à l'outil qui va être contrôlé, enfin connecté par la 5G. Mais il faut que la chaîne complète soit changée pour avoir effectivement les nouveaux usages. Donc c'est très lourd. Donc ça va mettre un certain temps effectivement à se mettre en place. Je pense qu'on le démontre beaucoup dans les cas d'usage aujourd'hui et les cas d'usage que l'on peut démontrer. Mais la mise en place, effectivement, va prendre un certain temps. On les découvre aussi en faisant des tests. C'est ce qu'on voit effectivement à la gare de Rennes où on a commencé ces tests-là. Et on voit bien qu'effectivement, le téléchargement d'un film, par exemple, sur le quai ou ce genre de choses. Avant d'aller dans le train en quelques secondes. C'est des cas d'usage qu'on n'aurait pas forcément pu imaginer avant et qu'on imagine effectivement quand on met à disposition aux usagers effectivement ce type d'usage. Maintenant, il faut vraiment que la chaîne complète, quand on parle de l'industrie, et puis il n'y a pas que l'industrie, effectivement, comme Eric le montrait, le disait avant, ça va toucher beaucoup de domaines, le jeu aussi, dans le domaine du jeu, on arrive avec ces niveaux de latence qui sont maintenant très très faibles, on va pouvoir effectivement faire des jeux sur des tablettes, faire des jeux sur des mobiles, qui n'étaient pas du tout possibles avant, avec des niveaux de compétition qui seront les mêmes que ce qu'on aura sur la fibre. Donc effectivement, ça, on arrive à des cas d'usage qui vont se mettre en place. Mais pour ça, la première chose qu'il faut faire, c'est effectivement déployer les réseaux. Et ça, c'est pour ça que l'accélération qui se fait en ce moment sur la radio est une accélération importante. Et l'ensemble, effectivement, avec le bout en bout, avec les cœurs de réseau qui vont être virtualisés, cloudifiés, enfin, toute cette transformation est extrêmement importante. Manque d'appétence alors des industriels français pour la 5G d'après vous ou pas ? Nous on discute avec beaucoup d'industriels. Vous savez, en Europe, il y a eu différentes stratégies. Il y a des pays en Europe qui ont décidé d'allouer des fréquences aux industriels, qui ont commencé à travailler avec des réseaux séparés. C'est un peu le cas de l'Allemagne qui travaille dans ce cadre-là. Je pense qu'en France, il a été effectivement décidé plutôt de confier l'ensemble du spectre qui a été alloué aux opérateurs, en confiant aux opérateurs la responsabilité d'avoir des niveaux de service qui sont des niveaux de service dans les années à venir liés à l'allocation des fréquences qui vont permettre d'avoir ces usages industriels, qui vont permettre d'avoir une grande couverture. C'est vraiment ce que, je pense, la France a décidé de faire déjà pour la fibre et déjà pour la 4G. Et je pense que c'est plutôt positif en ce moment. Ce qu'on en voit, c'est que la couverture en 4G est plutôt une des meilleures d'Europe. Donc on espère que sur la 5G, c'est aussi ce qui va se passer dans les prochains trimestres. D'accord. On ne l'a pas évoqué ce matin, mais dans ce que dit Thierry, il y a certainement un second temps aussi qui est lié à la transition environnementale ou la lutte contre le réchauffement climatique. La 5G jouera un rôle majeur dans sa capacité notamment à éclairer les entreprises sur la gestion de leurs flux avec des capteurs. Donc on est beaucoup plus sur les logiques d'Internet des objets. Mais incontestablement, l'industrie, dans ses grandes largeurs, sera sensible à la capacité qu'elle aura de se saisir des informations qui lui seront données par la 5G au travers de ses capteurs. Et à gérer plus finement ses processus. Voilà, c'est ouais. Ça. Je pense que c'est moins un volet de prod, en fait. C'est moins un volet de production qu'un volet qui couvre bien des champs de métiers différents que celui de l'usine, en fait, et ce qu'on appelle traditionnellement l'industrie 4.0. Mais moi, je veux croire que la conjugaison, parce que parfois on les oppose, de la lutte contre le changement climatique ou la transition environnementale avec les technologies de la 5G, ne peuvent se faire qu'avec les technologies de la 5G. Il n'y a pas d'orthogonalité, entre guillemets, entre le fait de déployer une technologie de progrès qu'est la 5G et de l'autre côté, avoir à faire face au challenge de l'environnement. D'accord. Alors, on ne peut pas le démontrer, mais juste pour rebondir sur ce point-là, nous, on a fait des études sur le sujet aujourd'hui. On pense que, effectivement, les télécoms, c'est à la fois un secteur
un des verticaux, comme on dit, mais ça sert aussi un grand nombre d'industries. Et on pense que la 5G peut avoir une économie globale à peu près de 15% d'un point de vue consommation d'énergie sur l'ensemble des industries quand ça sera effectivement mis en place. D'accord. Juste en ayant cette capacité à gérer finement les différents process, en glissant en fait des capteurs un petit peu IoT partout. Absolument. C'est l'idée. Oui, tout à fait. Sur la qualité, sur la transformation, cette latence dont on parlait, qui est la capacité d'avoir cette information extrêmement rapidement, par exemple, quand vous mettez un capteur sur des chaînes de production, vous pouvez détecter des vibrations extrêmement rapidement et arrêter les machines qui fonctionnent avant même qu'il y ait de la destruction, par exemple. Donc ça gagne énormément de temps. Sur des turbines, c'est aussi ce qui peut gagner. En fait, on fait de la maintenance préventive beaucoup plus qu'on fait de la maintenance. Donc une fois que le processus est effectivement s'est arrêté. Donc c'est ce qu'on voit. Et sur le point de l'énergie, je ne sais pas si vous voulez revenir après, mais on peut en discuter un petit peu sur cette partie-là aussi, parce que je pense que c'est extrêmement important. C'est un point qui, en ce moment, catalyse beaucoup des discussions de ce genre de choses. Ce qu'il faut réaliser, c'est que, on l'a vu avec le confinement, où on a eu 30 à 40% de plus de consommation dans les télécoms, et que sans les réseaux de télécom, on ne sait pas tellement ce qu'on aurait fait sur la première partie de l'année. Et on voit bien que quand les gens sont confinés, et même maintenant, on a bien eu la réalisation que les infrastructures télécom sont importantes. Ce qu'on a, c'est qu'on voit qu'à peu près à travers l'Europe et à travers le monde de manière générale, on est entre 30 et 50% d'augmentation de la consommation sur les infrastructures télécom. Et particulièrement sur la partie mobile. Donc, de toute façon, cette capacité et cette croissance, il faut la gérer. Mmh. Et si on ne la gérait pas avec la 5G, il faudrait la gérer avec la 4G. Et si on la gérait avec la 4G, ça serait beaucoup plus consommateur d'énergie que ça ne va l'être avec la 5G. Donc, en fait, la 5G, effectivement, d'aucuns disent qu'elle est beaucoup plus consommatrice d'énergie. Oui, mais pour une efficacité qui est 3 à 5 fois plus importante. Donc, et pour ça, parce que effectivement, les standards ont été développés avec des économies d'énergie, avec le fait que les antennes n'émettent que quand c'est nécessaire, elles s'adressent beaucoup plus, ouais. Elles ciblent le mobile. Enfin, il y a un certain nombre de protocoles qui ont été mis en place pour qu'effectivement, ça soit beaucoup plus efficace par connexion. Et donc, cette efficacité par connexion, elle est très importante. Et si les opérateurs n'avaient pas investi dans la 5G ou n'allaient pas investir dans la 5G dans les mois et dans les trimestres à venir, ils auraient dû encore plus investir dans la 4G, qui aurait beaucoup plus consommé d'énergie que ce qui va être le cas avec la 5G. Donc en fait, globalement, ça fait une grosse économie d'énergie d'avoir implémenté la 5G. Gilles Brégand, vous êtes d'accord avec ça? Vous connaissez très bien les caractéristiques de la 5G. Est-ce que c'est vraiment... ça permettra de faire des économies d'énergie, d'après vous, de rendre les entreprises un petit peu plus efficaces à terme ou pas, ou c'est difficile de se... Nous, on a étudié de près ce qui se passe justement pour l'exposition du public, puisque c'est une des missions de l'Agence des fréquences de contrôler l'exposition du public, et puis c'est un souci aussi qu'on entend beaucoup chez nos concitoyens. Donc on a considérablement intensifié notre programme de mesures. On a suivi... Sur demande du gouvernement. Tout à fait. On a suivi les expérimentations en bande 3.5. Maintenant, on suit aussi celles en bande 26, notamment à la gare de Rennes, dont a parlé Thierry. Et ce que l'on voit, effectivement, c'est qu'en termes d'efficacité, la 5G apporte beaucoup au niveau radio, puisqu'on a cette possibilité de focaliser les antennes sur les gens qui ont des terminaux. Donc ça évite finalement d'éclairer la planète inutilement dans des zones où il n'y a pas de terminal, en fait. Hein. C'est tout simplement ça. Ça économise aussi les fréquences, puisqu'on peut, avec des faisceaux, réutiliser la même fréquence à partir du même terminal, du même émetteur, sans avoir à demander des fréquences complémentaires. En fait, hein. Ça permet d'augmenter la réutilisation des fréquences. Et donc ce sont des technologies plutôt vertueuses dans le segment radio. Et en réalité, donc, on va effectivement avoir des outils pour, au niveau radio, utiliser moins d'énergie et de manière plus utile.
D'accord, alors ça, c'est au niveau radio. Guy Pujol, peut-être un mot là-dessus. Après, il y a aussi des inquiétudes sur le fait que quand on met à disposition une technologie qui permet d'accélérer les débits, c'est qu'il va y avoir des usages beaucoup plus gourmands en data, que vous avez décortiqué d'ailleurs dans votre ouvrage. Mais est-ce que derrière, il n'y a pas un risque là-dessus ? Même les opérateurs en ont parlé. Olivier Roussa de Bouygues Télécom a même dit au Parlement d'ailleurs que effectivement de toute façon certes les antennes 5G consomment moins que les antennes 4G, mais on va encourager des usages beaucoup plus gourmands, et donc au final ça sera pas forcément très bon pour la planète. Qu'est-ce que vous en dites? Alors tout d'abord, il faut bien comprendre que les spécifications de la 5G ne sont pas encore complètement terminées. La dernière spécification sera en 2021, septembre 2021 pour le moment, et que là, il y a une partie d'études justement sur la partie économie d'énergie qui est importante dans cette nouvelle génération. Alors c'est vrai que c'est très difficile de comparer, parce que par rapport à la 4G, donc on enlève un petit peu le boîtier électronique qui était sur les antennes, et on virtualise l'ensemble dans les data centers. Mais dans ces data centers, on va multiplexer plusieurs antennes. Donc c'est compliqué de comparer une énergie qui était dans un boîtier électronique avec l'antenne, et puis l'antenne, effectivement, qui va dépenser beaucoup moins, mais en revanche, toutes les fonctions qui vont être ajoutées dans les centres de données pourraient consommer un peu plus. Donc avec la montée du débit, moi je pense qu'on va légèrement monter forcément dans la puissance dont on va avoir besoin, et donc plus d'énergie. Mais ça devrait être très raisonnable. Alors évidemment, après, on dit qu'il y a des milliards d'objets à connecter qui vont chacun dépenser quand même un tout petit peu. Donc je pense qu'il ne faut pas se leurrer. On va augmenter un peu en énergie, mais ce n'est pas du tout catastrophique. Je dirais de nouveau, c'est dans la suite logique. Et je pense qu'on est en train de développer des nouvelles technologies qui vont revenir justement dans les centres de données à plus de matériel. Et du coup, on va re-économiser fortement l'énergie. Donc globalement, je ne pense pas qu'il y ait une augmentation fabuleuse de la demande d'énergie. Mais c'est vrai que ce n'est pas du tout facile à comparer, en tout cas. C'est un petit bout, je pense que c'est une partie du sujet. Ce débat autour de la consommation énergétique des technologies, notamment du numérique et des télécommunications, il loupe un aspect des choses. C'est celui des transformations de nos usages et des modalités, par exemple, de réunions, etc., qui aujourd'hui se font beaucoup en visioconférence. Faire un parallèle. Moins il y a d'avions, plus il y a de trains. Et donc plus on consomme d'énergie nucléaire pour faire fonctionner les trains. Est-ce que c'est mal que les gens se déplacent en train plutôt qu'en avion ? C'est plutôt positif. Plus il y a d'usages en visioconférence, plus évidemment on consomme de l'énergie électrique, mais moins on se déplace. Donc je pense qu'à un moment donné, si on veut avoir une big picture du sujet, il faut prendre en considération à la fois ce que cela coûte de déployer des infrastructures et de ce qu'elles consomment en production, mais il faut aussi mettre en perspective les usages qui sont transformés et dont je pense que au bénéfice entre guillemets de la crise de la Covid, certains impacts perdureront dans les pratiques d'entreprise. Donc ce champ-là, il mérite d'être exploré, dans des grandes largeurs qui ne concentrent pas uniquement ce qu'est le coût, la production, la sollicitation d'usage, parce que à ce motif-là, même faire une éolienne, c'est pas bon pour la planète, parce qu'il faut produire de l'acier, parce qu'il faut la poser, etc. Donc le sujet ne peut pas être réduit simplement à le déploiement de l'infrastructure, la sollicitation par l'usage et sa partie croissante, si on ne met pas en perspective la manière dont ça va influencer un certain nombre de choses. On parlait tout à l'heure avec les intervenants ici ce matin de l'impact sur notamment l'utilisation des flux. Si derrière vous consommez moins d'eau pour arroser vos jardins parce que vous avez des capteurs 5G qui vous permettent de dire que ce n'est pas la peine d'arroser parce que la terre est humide, franchement vous ferez des économies sur l'eau et ça sera bon pour la planète. Donc encore une fois, moi je pense qu'on est en capacité de pouvoir réconcilier à la fois le numérique et l'environnement, et il faut cesser à un moment donné de charger la balance qu'un seul endroit. Et nous ne sommes pas naïfs ni au gouvernement ni à l'Assemblée nationale, parce que nous avons adopté dans le cadre du projet de loi de finances un amendement tout à fait particulier pour les data centers et les hyper électro-intensifs. Je n'ai pas de les encourager à consommer plus. Je sais que la préoccupation des industriels et français en particulier, et pas uniquement à Lannion, mais je sais que tout ce qui a été évoqué ce matin, c'est la richesse du savoir-faire français des ingénieurs en matière de R&D, dont la préoccupation, c'est à la fois d'avoir des outils performants et moins énergivores. Tout le monde est parfaitement conscient que l'énergie gratuite n'existe pas, et pire encore, l'énergie gratuite, c'est un contresens
par rapport aux enjeux de la planète. Donc voilà pourquoi je souhaite qu'on puisse savoir, et c'est difficile à objectiver, parce qu'en vrai, dans la plupart des études que nous avons aujourd'hui, on fait l'impasse sur ce que peut être la valorisation du numérique au service d'une moindre consommation, de moindre impact sur les gaz à effet de serre, sur les changements des images, des usages au global. Mais bien sûr. Je vous voyais réagir. Oui, bien sûr. C'est sûr que on augmente énormément la complexité du modèle quand on commence effectivement à prendre en compte les usages qu'on connaît, les usages qu'on ne connaît pas aujourd'hui. On le voit sur, vous savez, sur ce qu'on appelle en bon anglais smart grid, mais tout ce qui sont les grilles de gestion de l'énergie, effectivement. Pour utiliser davantage les énergies renouvelables sur les réseaux électriques traditionnels. Mais aussi l'information, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est à quelques secondes pour donner une information sur le réseau ou qu'on en descend en dessous de la seconde au niveau de la milliseconde, on s'aperçoit qu'un opérateur dans le monde de l'énergie peut gagner jusqu'à 10, 15, 20% de sa consommation globale. Évidemment, à demande égale, parce que si on le fait effectivement dans le cadre où on dépense plus, le cas du train est un bon exemple. En tout cas, mais effectivement, ça permet beaucoup d'économies, pardon. Non, mais je voulais simplement dire, nous, on a fait une étude sur un cas qui est très simple, qui est le cas de Paris 14, pour voir l'exposition du public. Donc, Paris 14 s'est couvert à 100% en 4G. On a simulé la croissance du trafic qui est prévue actuellement en 4G, donc sans passer à la 5G, dans quelques temps. L'augmentation de l'exposition, c'est 70% en 4G. Parce que la 4G, finalement, c'est un peu comme un vieux moteur à explosion, ça permet d'accélérer, mais quand ça monte dans les tours, ça consomme beaucoup. D'accord. Ça va crescendo à chaque fois. Voilà, quand on passe en 5G, effectivement, on maîtrise beaucoup mieux cette exposition du public. Donc là, on parle d'exposition du public, pas de consommation énergétique, mais bon, c'est évidemment corrélé. Donc le statu quo en termes de technologie ne permet pas de faire face aux défis de ce qui se présente. Après, la question de savoir s'il faut augmenter le trafic au fil des années, c'est une autre question, mais elle est orthogonale à la question de la technologie. Pour aborder la croissance des usages du numérique, il faut une technologie meilleure et la 5G permet de l'offrir. Je crois que dans la question que posait Pierre tout à l'heure, les opérateurs téléphoniques parlent en tant qu'opérateurs téléphoniques et je pense que ce qui était pointé aussi, c'est les acteurs que l'on considère comme étant over the top et qui contribuent peu au financement des infrastructures. Aujourd'hui, il y a un vrai déséquilibre en matière de participation financière à l'effort des infrastructures. C'est vrai qu'ils sont essentiellement portés par les fournisseurs d'accès Internet. Moi, je veux leur rendre hommage parce qu'on vit un épisode de confinement de notre pays. Et si notre pays a résisté, c'est aussi parce que des hommes et des femmes ont été tous les jours sur le terrain pour déployer de la fibre et des réseaux mobiles. Mais c'est vrai aussi qu'il y a des acteurs qui s'appuient sur ces infrastructures et qui contribuent peu à leur financement. On parle de temps en temps avec Thierry et d'autres. Il y a aussi un sujet sur l'investissement en matière de cybersécurité et de participation et de reconnaissance qu'effectivement, il faut investir. Ce marché n'est pas un marché du moins cher. Et on ne peut pas accepter que la concurrence nous incite à aller vers des technologies qui soient toujours moins chères. Et on est sur la technologie du mieux disant, parce qu'il y a des vrais enjeux de cybersécurité aussi au travers de ces infrastructures. Guy Pujol, vous êtes d'accord justement avec ça? On a un problème à résoudre entre d'un côté en fait les services des GAFA hein, qui sont les premiers emprunteurs de ces tuyaux au sens large des télécoms et puis de l'autre côté les équipementiers puis les opérateurs qui dépensent des milliards pour ces nouveaux réseaux. Oui, tout à fait. Justement, la 5G aurait pu peut-être réparer un petit peu ce déséquilibre justement avec l'arrivée de ces centres de données qui sont placés finalement entre l'utilisateur et ces fameux gros centres de données des GAFAM ou l'équivalent chinois. Et c'est dommage peut-être que on reprenne pas une certaine initiative et que pour le moment on voit des accords avec beaucoup justement des GAFAM. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Pour ne pas les citer, Peugeot, on en parlait avec Laure de la Rodière, les Peugeot, les Orange, même Bouche et Nokia, vous avez signé avec Google Cloud aussi. Pour notre usage, c'est sur notre infrastructure IT, c'est un petit peu différent quand même. C'est un peu différent. Mais on voit se multiplier quand même les accords dans le cloud, à l'heure où on parle de cloud souverain avec les GAFA, au moment où la 5G arrive et où on aura de plus en plus besoin de ces serveurs-là, c'est un problème. Pour moi, c'est quand même, c'est dommage, parce qu'on avait une opportunité de reprendre un petit peu la main sur cet environnement, mais je pense qu'on manque de compétences, et donc, évidemment, les opérateurs ont tendance à aller chercher la compétence là où elle est.
Mais ça, je trouve ça, c'était une opportunité pour moi de reprendre en main tout un tas de services, mais on va le faire au moins au niveau industriel. C'est pour ça qu'il ne faut pas le rater. Mmh. On l'a un petit peu raté au niveau grand public parce que c'est parti vers le GAFAM, mais si on peut l'avoir au niveau industriel, parce que justement, toutes les fonctions pour développer les industriels ou les numériser seront dans ces centres de données, ça, il ne faut pas le rater. Mmh. Mais je pense que là, mais en redonnant un petit peu la main aux GAFAM, en les laissant re-rentrer dans ces centres de données, pour moi, c'est dommage. Le match n'est pas plié. Le gouvernement défend un nouveau projet de cloud souverain, notamment Gaia-X avec l'Allemagne. Mais en fait, il y avait déjà un projet similaire il y a quand même quelques années. Donc quand l'exécutif a ressorti ça du chapeau il y a quelques temps, c'est vrai que on a été beaucoup nombreux et on l'est encore aujourd'hui à s'interroger sur cette initiative. Est-ce que le match, il n'est pas perdu d'avance, franchement ? Non, le match n'est pas perdu d'avance, mais je pense que le bon échelon pertinent, même s'il peut y avoir une impulsion, et il y a une impulsion au niveau français, c'est le niveau européen. Quand on voit en matière de bride de services ou de technologie ce qu'il faut investir chaque année pour pouvoir être concurrentiel et compétitif sur la partie cloud, il est tout à fait, j'allais dire, naïf d'imaginer qu'il suffirait de le décréter et de se dire qu'on réunit la meilleure des acteurs, et on en a un certain nombre en France, ou de protéger et d'avoir une logique ultra protectionniste, que certains réclament le moment venu, mais difficile à la fois difficile de mettre en œuvre et qui ne tient pas compte des nécessités qu'on a parfois de collaborer, y compris avec des acteurs américains. Enfin, je pense qu'on peut partir du principe que le sujet de la numérisation de notre pays demain et des services numériques ne se construira pas dans l'adversité avec les acteurs américains. On doit composer avec eux et faire émerger depuis l'écosystème français celles et ceux qui pourront offrir des services. Franchement, le cloud est une technologie qui va continuer d'évoluer de manière très sensible. Des innovations majeures vont arriver dans les années qui viennent, et c'est la mobilisation financière, le choix d'une politique européenne extrêmement forte sur le sujet. On paye là paris hasardeux du passé. Je ne vais pas refaire l'histoire du cloud souverain en France. Il ne suffit pas de décréter cloud souverain pour que les choses existent. On a aujourd'hui des forces, on a un écosystème extrêmement dynamique avec des gens qui sont de très bon niveau. Moi, je pense qu'on peut faire en sorte de bâtir des offres de services qui seront demain très utiles à nos économies. Donc le match n'est pas plié, parce que le cloud n'est pas quelque chose de statique. Il va encore y avoir des évolutions majeures autour des architectures et la manière dont... Donc là, ce sont des briques de services qui sont en totale évolution permanente, etc. Imaginez que c'est juste un disque dur externe dans lequel on va stocker des choses ou faire tourner quelques applis qui font du traitement. C'est juste ne pas avoir intégré que le cloud fait bien d'autres choses. Mais j'aurais... C'est un peu loin de mes sujets, mais en fait, il faut faire attention aussi aux subventions croisées qui sont actuellement réalisées par beaucoup de grands acteurs, puisque aujourd'hui, le cloud, effectivement, c'est une technologie qui peut paraître accessible, même si elle va évoluer et se sécuriser, mais l'important est aussi de savoir à quel prix il est vendu et comment ce prix est calculé. Et quand on a des structures qui sont de grande importance, comme pour le cloud Amazon ou Google, enfin Amazon ou Microsoft plutôt, on ne sait pas exactement comment le prix de revient est calculé. Donc par rapport à un acteur qui fait que du cloud, c'est quand même un sujet qui peut être délicat. C'est un sujet vraiment du droit de la concurrence. Oui, donc je voulais juste dire que effectivement, je pense qu'il y a un risque énorme. Donc il est évident, mais l'avancée technologique fait que il va falloir que le cloud soit réparti et distribué. Donc ça, c'est des lois physiques qui imposent ça, parce que on aura de plus en plus de capacités de traitement presque temps réel qui devra être très proche de l'utilisateur. Et donc, quand on aura besoin, effectivement, auprès de l'utilisateur de cette fameuse latence dont on parlait pour la 5G, on ne pourra pas mettre les data centers à plus de 30, 40, 50 km peut-être, mais c'est vraiment l'ordre de grandeur de ce qu'on aura. Donc, la nécessité, il ne sera plus possible d'avoir deux ou trois de ces gros data centers par pays européen comme on l'imagine aujourd'hui. Et donc, forcément, il va falloir distribuer cette capacité, qui est une capacité à la fois de stockage, dont Eric parlait juste à l'instant, et une capacité de calcul. Donc quand ce besoin va arriver, et il va arriver sans doute par l'intermédiaire des télécoms, c'est-à-dire qu'effectivement c'est la 5G qui sera à la fois un utilisateur et qui en aura besoin, parce que beaucoup de choses auront été virtualisées, beaucoup de choses auront été mises dans le cloud, et
Et la manière dont l'architecture sera faite à ce moment-là fera qu'on devra avoir ces centres qui seront là. La première application est sans doute industrielle, parce que les industries, d'abord, ne vont pas vouloir avoir leurs données qui leur échappent. Ils ne vont pas vouloir avoir la dépendance de tout leur système d'exploitation qui seront totalement extérieurs à leur infrastructure. Donc on imagine de plus en plus, on a fait un peu des sondages autour de cette partie-là, et on voit que dans les années 2025 à 2030, toute entreprise qui fera plus de 1000 personnes pratiquement aura sans doute son réseau privé. Alors, un réseau privé, ça ne veut pas forcément dire que tout sera totalement disponible. Il y aura sans doute une partie de sa capacité qui sera à l'extérieur, et ça sera sans doute des solutions hybrides où il y aura des serveurs qui seront intégrés et des serveurs qui seront mutualisés, qui seront effectivement fournis par d'autres. Par ailleurs, on a quand même un grand acteur européen, quand même OVH, c'est un grand fournisseur de cloud qui est quand même très important, soit plus petit que les grands GAFA, mais quand même extrêmement important. Et moi, je pense qu'on peut mettre quand même assez d'espoir dans le fait que dans les 4, 5, 10 ans qui viennent, le développement de ces réseaux, qui sont des réseaux plus en proximité sur les data centers à proximité, puisse être beaucoup plus réparti. On le voit que dans les domaines du secteur public, par exemple, il est hors de question, je pense, que ces domaines-là soient supportés par des grands GAFA à travers le monde. Et donc, il faudra que l'économie se mette en place pour que, sans doute, ces sites soient distribués aussi, soient partagés entre les opérateurs télécoms, le secteur public, certaines industries. Mais si on trouve un business model, un modèle économique qui supporte effectivement cet investissement, il est fort possible qu'on voit beaucoup plus de ces réseaux qu'on appelle Edge Cloud. Donc, on parle aussi de multiplication des plus petits data centers. Exactement, qui seront nécessaires. Qui viendront mailler le territoire. Voilà, technologiquement, ça sera nécessaire, parce qu'on ne pourra pas avoir seulement un petit nombre de data centers à travers un pays. Donc forcément, il va falloir que ces éléments se développent. Alors, est-ce qu'ils seront supportés seulement par les télécoms? Est-ce qu'ils seront supportés aussi par les GAFA qui investiront de manière conséquente dans l'ensemble? Comme tu disais tout à l'heure, je pense que la décision n'est pas faite et c'est un enjeu stratégique extrêmement important d'indépendance aussi et d'autonomie, de souveraineté des pays et sans doute un enjeu économique de chacun des pays en Europe. Oui, moi je suis absolument complètement d'accord. Hein. Je pense que l'edge computing, c'est quelque chose de nouveau, extrêmement important. Mmh. Et que justement, la 5G est là pour nous fournir des possibilités. Oui. Et les GAFAM, ils sont en train d'y réfléchir, comment ils rentrent. Et justement, tout à l'heure, ce qui m'inquiétait un petit peu, c'est qu'ils y rentrent via la 5G, via les opérateurs de télécommunications. Mais bon, après, il y a les compétences, mais s'il y a une bonne entente, pourquoi pas, hein. Voilà. Les GAFA s'intéressent de plus en plus aux infrastructures télécom. Ils déploient des câbles sous-marins aujourd'hui. Oui, ils nous disent que demain, ils ne seront pas intéressés par franchir un pas supplémentaire dans les infrastructures. Complètement, parce que moi, je travaille pas mal en regardant ce que font les GAFA. Mais par exemple, Google, eux, ils veulent aller vers des centres de données encore plus petits. Hein, pour la 6G, sur lequel il y a quand même déjà beaucoup de réflexions, déjà, ils pensent mettre le data center dans le smartphone. Ou sur le bureau de l'utilisateur. Donc une étape encore pour être encore plus près du client. Donc tout ça, bon, c'est un petit peu loin, hein. On est encore un petit peu loin, mais on voit bien qu'il faut se rapprocher du bord, parce que plus on est au bord et plus on est en contact de l'utilisateur, plus on peut répondre rapidement, et plus il y a de services temps réel, etc., qui peuvent être introduits. Donc cette démarche d'aller vers le bord, l'edge, est très importante, et la 5G est une opportunité de nouveau remarquable. L'enjeu et l'attention qui est la nôtre aussi, c'est de faire en sorte que les industriels français soient bien présents dans différentes instances de certification et de normalisation. Parce que, regarde la 6G, ORAN, etc., la 5G est juste une étape des histoires de la télécommunication. Il s'écrira d'autres choses demain. Et concernant les opérateurs, il n'y a qu'Orange. Oui, non, mais derrière, Bouygues Télécom, il y a des SFR, ils n'y sont pas. Mais c'est pour ça que je passe des messages en disant, et il ne suffit pas de suivre derrière dans un sens pour considérer que demain on fait partie de ceux qui définissent ces standards technologiques. Mais y être absent, c'est probablement aujourd'hui une erreur et demain ce sera une faute. Les Américains cherchent à y revenir, d'ailleurs. Je reviens sur un autre débat lié à l'arrivée de la 5G avec vous, Gilles. Quand on a eu le déploiement de la 3G, puis le déploiement de la 4G, à chaque fois, on s'est retrouvé avec une fracture numérique qu'on a dû essayer, qu'on essaye en tout cas de résoudre après. Il y a eu l'accord sur le New Deal qui partait sur la 4G il y a maintenant un peu plus de deux ans, si je ne dis pas de bêtises.
Avec la 5G, il y a des obligations qui ont été mises dans les obligations de déploiement des opérateurs, où on leur a demandé de couvrir notamment davantage, de pas oublier en tout cas les territoires, et de les couvrir davantage, au moins au début en 4G boosté, et puis plus tard en 5G. Ma question, c'est est-ce que, d'après vous, vous pensez que ça sera suffisant, ou est-ce qu'on va avoir prochainement peut-être une nouvelle fracture numérique avec la 5G, et je dirais même une nouvelle fracture numérique peut-être, c'est-à-dire, on parle beaucoup de la 5G pour le B2B, est-ce qu'in fine, on va pas se retrouver avec des territoires industriels sans 5G, d'autres avec 5G, et du coup, des problèmes de compétitivité éventuellement à terme entre ces différents acteurs? Il me semble que la question de la fracture numérique avec la 5G, on l'a abordée de manière plutôt efficace, puisque en fait, ce qui s'est passé en France, comme l'a rappelé Eric, c'est que nous avons d'abord commencé par traiter le New Deal mobile, c'est-à-dire en réalité le problème de couverture du territoire, et ça, c'est une action du gouvernement et du régulateur qui a mis en place un dispositif pour couvrir tous les territoires. Puis ensuite, il y a eu les enchères sur la bande 3.5 en 5G. Donc la 5G est arrivée après le New Deal. Donc la 5G, elle va en fait alimenter aussi le New Deal. Et dans les cartes de couverture qui vont bientôt apparaître, qui vont évidemment refléter ce qu'on est en train de donner sur les sites autorisés, on va constater, comme on le voit déjà, qu'on a beaucoup de sites 5G qui vont être ouverts dans des zones qui ne sont pas des grandes métropoles. Donc, pour en tout cas la partie couverture du territoire, on est plutôt bien orienté en France et sans doute mieux que d'autres pays européens, puisqu'on aura de la 5G également dans des zones qu'on peut qualifier de rurales, hein, puisqu'on a déjà, je vous dis, 16 000 antennes qui sont autorisées. Et ensuite, effectivement, toute la question se pose de voir comment va s'articuler la deuxième phase de la 5G qu'on a beaucoup évoquée aujourd'hui, qui est la 5G des industriels. Donc comment les industriels vont-ils faire? Alors le bac à sable des 26 gigas est peut-être pas extrêmement... se développe de manière, disons, progressive. Mais il y a un autre bac à sable qui lui fonctionne aussi, qui a lancé l'ARCEP, qui est le bac à sable de la 2,6 gigas TDD, qui est de la 4G++, où on a des démonstrateurs aujourd'hui qui fonctionnent bien dans des zones comme Roissy, par exemple. Et donc, les industriels, aujourd'hui, sont en train d'acquérir une compétence sur des zones complexes, comme des aéroports, comme des zones, comme des gares, des ports. Quelque souci, d'ailleurs, avec les aéroports et les altimètres des avions. On pourra en dire un mot, mais souci qui est résolu. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est le 8 décembre. Ouais. On attend de voir comment les Américains vont le résoudre aussi, puisque c'est eux qui l'ont lancé, en fait, hein, puisque... Aujourd'hui, théoriquement, doit démarrer les enchères de la bande 3, 7, 4 gigahertz aux États-Unis. Et c'est à cette occasion que les Américains ont mis sur la table la question des altimètres. Mais en tout cas, en France, on a trouvé des solutions et on n'a pas pris un jour de retard par rapport à ce qui était prévu dans le calendrier 5G. Donc en fait, on avance de manière totalement contrôlée sur ce sujet-là. Mais effectivement, on va voir comment ces bacs à sable débouchent sur des demandes, parce que la régulation permet aujourd'hui, normalement, à un industriel qui demande une offre à un opérateur, le cas échéant, de faire un tiers régulateur si l'opérateur ne fournit pas la bonne offre. Et puis, on a beaucoup d'autres fréquences qui sont actuellement en réserve, des fréquences millimétriques, la 26 gigas, mais aussi la 40 gigas, la 66 gigas, qui permettront, le cas échéant, d'avoir des applications industrielles très, très sophistiquées et très, très puissantes. L'esprit du New Deal, c'est un peu le « en même temps » des télécommunications. C'est-à-dire que c'est... à la fois la compétition entre les acteurs et en même temps la nécessité d'aller compenser les zones blanches. Enfin, le laisser-faire qui a perduré pendant 15 ans, c'est 600 pylônes en zone blanche, en 15 ans. Le New Deal, à la fois encourage la compétition parce qu'elle est saine d'avoir une émulation entre les acteurs, la chance d'avoir 4 opérateurs qui se livrent une compétition. Et en même temps, il est nécessaire effectivement de lutter contre, la 5G des villes ou la 5G des champs, et tirant les leçons de ce qui a été fait dans la 4G des villes et la 4G des champs, c'est que 15 ans, 600 pylônes, et depuis le New Deal, on va être à 2000 pylônes en 2 ans, et on sera à 15 000 dans les 8 ans qui viennent. On voit bien que ce sujet qui permet d'avoir un balancing un peu différent, de simplement avoir un laisser-faire de marché d'un côté ou de l'autre côté, introduire des obligations de couverture, fonctionne. À 4G, je crois que d'ici 2023, c'est à peu près un quart des antennes qui seront plutôt considérées comme étant en zone rurale. Alors,
tout ne se fera pas en même temps instantanément. Mais la stratégie qu'adopte ce gouvernement en accord à la fois avec l'autorité de régulation en même temps les opérateurs, c'est bien évidemment d'avoir à l'esprit que, qu'on ne crée pas la rupture et la fracture dont vous parliez tout à l'heure, en tout cas qu'elle ne s'installe pas insidieusement parce que l'attrait du marché fait qu'on ira plutôt sur là où les gens sont intéressés. Donc c'est suffisant, ces obligations de couverture qui ont été... qui ont été inscrites par l'ARCEP sur demande du gouvernement. D'après vous, c'est suffisant? Moi, je le vois dans ma circonscription, on le pilote avec les équipes départementales et les préfets. Je ne sais pas si c'est suffisant. Je ne sais pas si on rattrape le retard suffisamment vite par rapport à ce qui a été fait depuis de nombreuses années. Ce que je sais, c'est qu'on rattrape le retard. Et qu'à chaque fois qu'on inaugure un pylône, et c'est quasiment, comment dire, je ne sais plus quel nombre on inaugure chaque semaine, mais c'est un travail de fou que sont en train de faire les opérateurs. Franchement, c'est un territoire de plus de conquis qui n'est plus sans disponibilité du réseau. Est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas. Ce dont je suis certain, c'est que la logique et l'ADN qui a participé pendant des années à laisser simplement le marché se faire et s'organiser n'a pas fonctionné. Et que ce qui aujourd'hui est mis en œuvre produit des effets qui sont plutôt positifs. Voilà. Qui sont positifs d'ailleurs par rapport à l'Europe. On voit bien qu'effectivement la couverture est plutôt plus importante que ce que peut voir dans d'autres pays européens. Et je pense qu'il faut l'associer aussi au plan fibre, parce que je pense que c'est important de voir un peu l'ensemble des deux. Le plan fibre nous permet de déployer, le fait que le pays soit davantage couvert en fibre nous permet de déployer plus rapidement la 5G. Alors déjà, ça c'est le cas. Je pense que la fibre fait que si les usages changent, et donc les gens sont plus demandeurs effectivement de services qui soient aussi plutôt des services un peu plus importants au niveau de la 4G, et donc tout ça demande... une cohérence dans l'ensemble, donc c'est pour ça que la 4G est importante. Et je pense aussi que quand on va avoir atteint, et je crois que c'est dans 2 ans, on sera à plus de 34 ou 35 millions de connexions en fibre, la dernière partie sera sans doute aussi une partie qu'on ne pourra sans doute pas atteindre directement avec la fibre, et que donc, dans ce cas-là, le très haut débit pourrait venir aussi avec la 5G. Alors, ce n'est pas exactement aujourd'hui. De la 5G fixe. Mais de la 5G fixe, effectivement, qui est un des cas d'usage qui est beaucoup utilisé aux États-Unis, qui est utilisé aussi dans d'autres pays en Asie, où on voit effectivement émerger cette possibilité d'utiliser le réseau 5G pour faire de la connexion très haut débit. On y réfléchit à la 5G fixe en France. On y réfléchit effectivement. Vous travaillez déjà avec les opérateurs que vous fournissez? Bien sûr, on en discute assez souvent. Il y a des expérimentations qui sont faites et il y a des tests qui sont faits. Mais avec le déploiement de la fibre aujourd'hui, justement, le bilan économique n'est pas forcément très positif. Mais quand on obtiendra la couverture qu'on va obtenir avec la fibre, sans doute que la dernière partie pourra être couverte avec des besoins, avec des solutions qui seront... à ce point-là, des solutions sans fil. Ouais. Et Pierre, vous êtes un fin connaisseur du sujet. Vous receviez lors de la redire juste avant, vous nous avez entendu un certain nombre de parlementaires et sénateurs et députés, évoquer le sujet de la Gigabit Society, de la généralisation de la fibre. Pendant des années, on vous a dit... 2025. Pendant des années, vous avez entendu comme moi que ce n'était pas possible. Ouais. Il fallait faire du mieux qu'on pouvait, à la fois en manageant un certain nombre de technologies, etc., et qu'on ferait du mieux qu'on peut pour le reste. Bon. Depuis cette année, le cap, l'horizon, c'est la généralisation de la fibre pour 2025. Et donc ce choix est assumé, il sera porté, il sera accompagné, il sera financé. On a encore des discussions avec un certain nombre de régions, puisque vous savez qu'il y a un lien entre le guichet numérique et le guichet très haut débit avec les régions. Je connais un peu le sujet sur la Bretagne. Je sais quels sont les défis auxquels doit faire face la Bretagne, de par son territoire, son histoire et la façon dont elle a adressé ce marché en étant une des pionnières, en fait. Mais parce qu'on est pionnier, parfois, on essuie les plâtres. Franchement, il y a du soutien aujourd'hui financier autour de ces projets. Et je crois qu'on tiendra cet objectif de généralisation de la fibre. Quand on dit généralisation, il restera peut-être à certains endroits des éléments à compenser, mais la 5G fixe remplira en matière de service les mêmes qualités de service, entre guillemets, que ce que pourrait offrir la fibre. Mais au moins, c'est assumé aujourd'hui. Enfin, vous qui suivez les dossiers depuis de nombreuses années avec pertinence et attention, je pense que vous avez pu suivre cette évolution depuis quelques mois. Guy Pujol, à ce sujet, qu'est-ce que vous pensez de la politique de déploiement à la fois de la 5G, avec ces nouvelles obligations pour couvrir les territoires et puis certaines zones industrielles, et de la fibre?
Alors, de toute façon, il faut forcément de la fibre pour mettre une antenne, hein, parce que les débits ouais. qui arrivent à l'antenne, donc plus on déploie le réseau fibre, effectivement, plus on veut mettre d'antennes et plus on va pouvoir recouvrir le territoire. Mais il faut bien comprendre également que la 5G s'intéresse beaucoup à ce problème et qu'il va y avoir des solutions qui vont arriver, pour moi, qui peuvent arriver relativement rapidement. C'est de connecter, par exemple, une antenne 5G à une autre antenne 5G directement, sans avoir de fibre optique qui arrive. C'est ce qu'on appelle les relais, qui sont parfaitement dans, le, disons, dans les spécifications de la 5G. Et donc, ça permet, du coup, une antenne, sans même de fibre optique, je la connecte sur l'antenne d'à côté, qui, éventuellement, je connecte sur l'antenne d'à côté. Et donc, c'est ce qu'on appelle des réseaux alors, device to device, d'un point à un autre. Et puis après, des réseaux maillés, mesh. Et donc ça, c'est une possibilité. Et les ondes millimétriques, par exemple, peuvent parfaitement servir à ces relais entre... Alors ça, c'est une première façon. Il y a une deuxième façon qui est également inclue dans la 5G, mais qui va demander un peu de temps à se développer. C'est toujours ce D2D, ce device to device. Donc on pourra parfaitement, par exemple, alors c'est pas pour tout de suite, hein, mais son smartphone connecté au smartphone d'à côté qui lui sera connecté sur l'antenne. Donc on pourra en montagne, par exemple, dans des zones qui ne sont pas du tout couvertes, ben, avoir cette extension de la couverture grâce au smartphone et donc éventuellement des petites antennes. Donc on peut, et en tout cas dans la 5G, il y a tous les moyens pour déployer et avoir une couverture complète. Je voyais. Alors, non, mais tout à fait. Enfin, ce que décrit Guy, c'est une évolution qui est possible, même si ça fait relativement longtemps que cette évolution est envisagée, mais le schéma mesh, ça fait assez longtemps qu'on le voit comme une cible possible. Mais effectivement, la couverture à partir de chaînes humaines, chacun ayant un portable, est peut-être un petit peu une image du futur. Ce qu'on a quand même à court terme et qui fonctionne très bien, on a parlé beaucoup de fibres pour connecter les antennes 5G, mais en fait, il y a des faisceaux hertziens. L'agence des fréquences voit ça d'assez près aussi, et donc en réalité, on est aujourd'hui en train de dégager des bandes de fréquences pour pouvoir faire des faisceaux directifs. Donc c'est des grandes paraboles qui permettent d'envoyer... C'est des petites paraboles directives qui font une liaison point à point d'une dizaine ou vingtaine de kilomètres, ça dépend des fréquences qu'on utilise, parfois plus. Et ça permet effectivement de faire des liaisons de data. C'est comme ça qu'on alimente les fameux relais dont parlait Eric, qui sont parfois au milieu de la campagne. Et c'est très dur de tirer une fibre aussi à travers du granit, hein, le breton. Donc en réalité, on utilise plutôt des faisceaux hertziens. Donc on dégage actuellement des bandes de fréquence pour ces faisceaux hertziens. Et ça permet effectivement d'amener la 5G à des endroits qui sont aujourd'hui difficiles d'accès. Il faut quand même aussi, à un moment donné, amener l'électricité au pied de l'émetteur, ce qui est moins facile par faisceau hertzien. Donc là, il faut tirer un fil. Peut-être Thierry Bonnon, à ce sujet, vous travaillez aussi sur ces solutions-là, justement. Non seulement on a effectivement une offre qui est une offre sur les faisceaux hertziens, et il a fallu beaucoup faire évoluer effectivement cette technologie, parce que pour se rapprocher des débits de la fibre, il faut avoir des technologies qui sont beaucoup plus performantes aujourd'hui. Mais effectivement, ça permet d'avoir cette partie-là. Et tous ces standards sur lesquels on travaille beaucoup, effectivement, sur le fait que le transport soit aussi géré sous le standard 5G, est effectivement extrêmement puissant. Donc d'avoir la capacité de pouvoir à la fois connecter les mobiles et à la fois connecter les infrastructures, qui est la prochaine génération sur laquelle on travaille et qui permettra de densifier beaucoup plus les réseaux qu'on est en train de le faire aujourd'hui. Étant donné qu'on a commencé la discussion sur ce sujet, c'est que la demande augmente de manière considérable. Donc il faut pouvoir servir cette demande. Et l'intérêt de la 5G, c'est d'être capable de réduire en fait la couverture d'une seule cellule. C'est-à-dire que ça permet de baisser la puissance, ça permet effectivement d'être moins intrusif sur chacun des individus, mais pour ça, ça veut dire qu'il faut rajouter beaucoup de petites cellules. Donc c'est les schémas d'architecture du futur. Aujourd'hui, on est pratiquement à déployer la 5G sur les sites existants, et effectivement, les prochaines générations de la 5G seront une petite densification effectivement des sites, d'avoir des sites plus petits, beaucoup moins de puissance, qui permettront effectivement de rajouter cette capacité et cette capacité très haut débit qui vont permettre dans
non pas forcément de la totale mobilité, mais de la nomadicité, c'est-à-dire quand on est à un arrêt de bus, quand on est en des endroits où on n'est pas forcément en complet déplacement, d'avoir des qualités de couverture qui sont très importantes et surtout des qualités de débit qui sont extrêmement importantes. Très bien. Eh bien écoutez, je vous remercie à tous pour ce débat. Merci beaucoup. Et puis, on se retrouve pour la prochaine table ronde dans quelques minutes. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. En fait, la future facture numérique, elle est simple. Oui, bonjour. Alors, on est de retour sur ce forum dédié à la 5G. Alors, avant la prochaine table ronde, je suis avec Olivier Leroux, qui est qui est le CEO d'Oasis Smart Team. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites ? D'abord, merci de nous accueillir. Nous sommes plus d'une start-up, puisque nous avons 10 ans, une petite entreprise qui développons des logiciels d'authentification sur le réseau mobile. 4G, 5G, ce que dans le temps on appelait carte SIM, ce que maintenant on commence à appeler eSIM, et puis avec les évolutions qu'on va proposer, peut-être quelque chose de plus digital dans le futur. Donc concrètement, en fait, il y a plus de SIM, ce petit bout de ce Alors ça, c'est déjà une transition qui est en cours. Hein. Vous commencez à voir arriver sur le marché des nouveaux smartphones qui ont ce qu'on appelle une embedded SIM, une eSIM intégrée. Donc vous avez le logiciel directement dans le téléphone, et puis vous venez télécharger de manière sécurisée votre abonnement à l'intérieur du téléphone, pas simplement dans les téléphones, dans les objets connectés, vos voitures, la Renault Zoé, un certain nombre de modèles ont déjà ces technologies embarquées, et c'est une migration, c'est une évolution qui va s'accélérer avec la 5G. Et c'est quoi les avantages du coup de bah, les avantages, les avantages, ils sont nombreux, hein, c'est de permettre une digitalisation complète du parcours client. Plus besoin d'aller chercher son bout de plastique ou son bout de silicium pour le mettre dans son device. C'est plus sécurisé. Ça peut paraître étonnant, mais cette digitalisation, elle nous permet de renforcer la sécurité de l'eSIM. Et puis, bon, sur l'aspect environnemental, il y a beaucoup d'avantages. On arrête de fabriquer des milliards de produits par an, hein. Plus de 6 milliards de SIM vendus dans le monde chaque année. Donc, parce que les gens les utilisent un peu comme des cartes téléphoniques. Donc là, on va rendre cette notion complètement recyclable. Et puis, pour les fabricants, c'est un gain de place. On peut maintenant avoir l'eSIM comme étant quelque chose de très petit, qui a ce qu'on appelle un footprint beaucoup plus réduit dans le device. D'accord. Alors, vous fonctionnez avec quel type de technologie, quel type de réseau mobile aujourd'hui? Et puis, qu'est-ce que vous attendez du coup de la 5G qui est en train d'arriver? Bon,
je dirais que la SIM, c'est quelque chose qui s'est décliné sur tous les réseaux, hein, depuis la 2G, enfin, je veux dire, le fond de GSM, voilà, 3G, 4G. Ouais. Donc aujourd'hui, nous, nos technologies, elles couvrent tous les réseaux depuis 2G, mais c'est vraiment en voie de disparition jusqu'à la 5G. Ce qu'on attend de la 5G aujourd'hui, c'est deux choses. D'abord, c'est une accélération de ce qu'on appelle l'Internet des objets, c'est-à-dire de connecter plus d'objets au réseau. On a développé un certain nombre de solutions, etc., qui sont adaptées à ces objets connectés. Donc, on pense que le réseau 5G, qui est une évolution hein, du réseau 4G, du point de vue de la SIM. J'entendais vos panélistes avant qui parlaient de nombreuses autres évolutions du point de vue de la SIM. La 5G, c'est plus une évolution, plus de sécurité, une meilleure prise en compte justement de ces petits objets en termes de consommation, etc. Ce qu'on attend, c'est vraiment ces déploiements des nouveaux usages. Puis le deuxième point, c'est de nous permettre de faire émerger des nouvelles idées. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on est là. On a avec le soutien de la BPI, conçu un nouveau produit qui s'appelle Velios, qui est une évolution encore de la SIM qu'on essaye de présenter au marché, qui consiste à dématérialiser complètement la SIM, à la sortir du device et à la... Dans le cloud complètement. Dans le cloud complètement. Donc vous avez, avec Velios, ce programme, vous pouvez connecter un device au réseau 5G sans avoir à introduire de SIM à l'intérieur. D'accord. Tout en gardant une sécurité complète, tout en gardant une compatibilité complète avec les standards, avec ce qui est en place dans le cadre de l'eSIM. Vous pouvez déployer des objets sur le réseau, enfin sur le marché, et puis en un clic activer une SIM, en un clic le retirer, sans avoir à faire de certification sécuritaire, sans exposer de données confidentielles à l'intérieur. Je peux utiliser une identification donnée et puis l'attribuer en fait en un clic à en fait quasiment n'importe quel device, quel absolument objet. Absolument. C'est comme si vous aviez une SIM, je dirais une SIM physique avec un long film virtuel et puis vous allez la changer d'appareil au fur et à mesure de vos besoins. Tout en gardant une sécurité complète, hein, tout en gardant une intégration complète au réseau de l'opérateur. Alors, quel cas d'usage pour cette techno ? Ouais, plusieurs, enfin, j'espère de nombreux. Imaginez quoi ? Ouais, on imagine d'abord, dans un premier temps, tout un ensemble d'usages intermittents. On voit aujourd'hui qu'un certain nombre d'objets n'ont pas besoin d'avoir une connectivité permanente. Hein, vous avez par exemple les flottes de vélos, les flottes de voitures, où les taux d'usage sont entre 50 et 80%. Pourquoi vous allez mettre une SIM, donc une connectivité de manière permanente dans ces objets ? On peut là affecter, avoir un nouveau paradigme où l'affectation des ressources réseau... Uniquement pendant le temps d'usage. Voilà, uniquement pendant le temps d'usage. C'est-à-dire que j'arrive, je prends ma voiture, à ce moment-là, il y a cette identification qui s'active, et puis au moment où je ferme ma voiture... Eh ben, c'est terminé. Voilà. Ça peut être ça. Exactement. Ça peut être pour les loueurs de voitures de proposer à leurs clients. On sait qu'aujourd'hui c'est très difficile d'avoir une connectivité avec des services à valeur ajoutée pendant le moment d'utilisation de la voiture et puis de la supprimer à ce moment-là. On a aussi des usages. On a été récemment contacté pour des usages qui sont liés à la supply chain et à la logistique. Aujourd'hui, ces supply chain et la logistique, c'est des dispositifs multimodales. Vous allez avoir des couvertures par le réseau Wi-Fi, des couvertures en Bluetooth. Et puis, à un moment, vous allez devoir mettre en place une connexion mobile parce que vous êtes vraiment dans un endroit qui n'est pas couvert par autre chose. Vous allez pouvoir allouer la SIM à ce moment-là. On a été contacté récemment, je vous l'ai dit, par des gens qui réfléchissent au transport des vaccins Covid. Vous savez qu'il faut tracer la température, le contrôle à la température. En secours, en backup ou pour couvrir des zones grises, on pourrait avoir ce type de technologie qui viendrait s'inclure dans la panel des solutions qui sont proposées pour suivre, pour tracer les objets pendant leur transport. D'accord. Mais alors l'idée du coup, c'est que la 5G, finalement, c'est une arme qui vient en complément des autres technologies de communication que vous utilisez déjà. L'objectif, c'est quoi ? C'est d'avoir cet éventail de technologies à votre disposition ou alors peut-être de tout passer en 5G à partir du moment où on sait que cette techno, pour les objets connectés, prendra en compte le bas débit comme le haut débit. Voilà. Alors, ça, c'est plus une question pour les fabricants d'objets, pour les designers. C'est vrai que on a tendance à voir, en tout cas sur le marché, une convergence. C'est-à-dire que tout ce qui était traité dans le mode... Bluetooth, low energy, etc., on a tendance à avoir une convergence quand même vers la 5G parce qu'il y a une meilleure prise en compte des bas débits, etc. Donc,
c'est vrai que la façon dont nous, on voit évoluer les choses, c'est plus une convergence de l'ensemble de ces connectivités, que ça soit du LoRa, que ça soit du Sigfox, vers la 5G. Et dans ce contexte-là, peut-être que sans doute que les réponses qu'on apporte, soit avec nos solutions eSIM, soit avec ce produit Velios, peuvent contribuer à cette évolution vers une universalité de la connexion 5G. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire, du coup, tout à l'heure, vous citiez, nous en dire un petit peu plus sur les cas d'usage sur lesquels vous travaillez? Donc, vous parliez d'automobile, de flotte de vélo, mais vous parliez aussi des industriels. C'est quoi, typiquement, chez les industriels? Non, c'est plus aujourd'hui chez les industriels, c'est plus dans le domaine du traçage et de la maintenance des objets. Alors, le traçage, c'est un cas d'école, c'est un cas d'usage qui est permanent hein, aujourd'hui. Donc de la localisation. La localisation, ouais. Hein, qui consiste à dire tous les systèmes d'information des industriels aujourd'hui nécessitent de connecter des informations en permanence sur où se situent leurs produits, leurs objets, enfin un certain nombre de choses. Et donc, il y a un apport qui est extrêmement important de ce côté-là. Il y a d'autres apports, c'est que les industriels ont besoin aujourd'hui, ils fabriquent des objets connectés, ils ont besoin de les tester. Or, le testing se fait à plusieurs phases du cycle de construction ou de fabrication du produit. Avec cette SIM hébergée dans le cloud, on a la possibilité de mettre en place une connectivité temporairement, pour 5 minutes, pour 10 minutes, juste pour faire un test. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour les industriels. Deuxième cas d'usage, parce qu'on est en discussion avec un certain nombre d'industriels sur le sujet, des objets non connectés, mais qui ont besoin d'être connectés à un moment particulier de leur cycle de vie. D'accord. Alors, je dirais, le cas facile, je dois faire une mise à jour du logiciel, hein, parce que tous nos objets, que ce soit un frigidaire, etc., ont des logiciels, donc il faut faire des mises à jour. Comment on les fait? Aujourd'hui, l'alternative, c'est on n'en fait pas, on envoie quelqu'un pour le faire, ce qui est extrêmement coûteux. La troisième alternative, c'est il faudrait le connecter de façon permanente, mais c'est pas économiquement viable, etc. Donc voilà, on a ces cas de figure qui sont là et qui vont s'accroître, je dirais, avec la 5G, etc. Et puis, deuxième cas de figure, qui est un peu du même ordre, mais qui est beaucoup plus dramatique, on a un problème sur l'objet, il faut intervenir, parce qu'on a besoin de faire de la maintenance, on a besoin de faire un diagnostic. Et là encore, on va devoir mettre en place, avec ce Velios, cette SIM hébergée dans le cloud, on va avoir la possibilité de raccrocher l'objet au réseau pour pouvoir faire cette opération de maintenance. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Merci. Merci beaucoup. Et puis, on se retrouve dans 2 minutes pour la prochaine table ronde sur la 5G en levier d'aménagement numérique des territoires. Voilà, merci. 5G is here, ready to meet the demands of connected consumers and companies. But this 5G is anything but ordinary. This 5G is driving video surveillance and analytics from being alert to eagle-eyed. This 5G is elevating fixed wireless access experiences from fun to phenomenal. It's enhancing the quality of content to make the virtual very real for the ultimate immersive experience. And it's raising the game in stadiums, making sports smarter for fans with real-time overlays, adding an extra dimension to extra time. Yes, this 5G knows where it's going. Literally. It's improving how vehicles communicate with their environments, making every trip an entertaining and traffic-free one. It's transmitting life-critical data faster to help medical teams diagnose and administer treatment more efficiently. This 5G is mobilizing industry, connecting factories and machines to achieve unprecedented levels of automation and productivity, not just on premises, but also programmable through the cloud. It's all part of an end-to-end portfolio that's helping mobile operators monetize the opportunities that 5G brings. Welcome to Delivering the Extraordinary. We'll be right back.
Oui. Oui, bonjour, donc bienvenue à cette deuxième et dernière table ronde sur, de ce forum 5G. Donc là, la thématique, ça sera la 5G en levier d'aménagement numérique des territoires. Alors pour en parler, donc on a Olivier Babot, le président, bonjour, le président de l'Institut Sapiens, Thibaut Ducret de chez Talent Labs, Christine Aignon. Bonjour. Bonjour, donc député LREM des Hauts-de-Seine. Et on a Hugues Ferbeuf. Donc du Shift Project, et Gérard Longuet qui est avec nous en visio. Pas encore ? Bon, et ben il va arriver bientôt. Écoutez, pour commencer, peut-être un premier tour de table, Hugues Ferbeuf, j'ai envie de vous demander, avec la 5G qui commence à arriver en France, les opérateurs commencent à la déployer, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir, comme vous me disiez quand on préparait cette table ronde, une 5G des villes et une 5G des champs ? Bien, l'avenir le dira, tout dépend des choix de déploiement que les opérateurs feront. Par 5G... Ah, pardon, excusez-moi, désolé, je crois qu'il y a un problème de connexion avec votre micro. Oui, ça vient de se connecter. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, donc pardon, excusez-moi. C'est bon. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc c'est je disais que 5G des villes ou 5G des champs, tout dépendra des scénarios de déploiement qui seront adoptés par les opérateurs. Ce qu'on veut dire par là, c'est que selon la bande de fréquence sur laquelle on va déployer la 5G, on n'aura pas le même service. Donc on peut toujours dire que c'est de la 5G, mais ça ne sera pas la même 5G. Donc la 5G en bande 3.5, la 5G en bande basse avec la bande 700. Oui. Alors il se trouve que dans la première table ronde qu'on a eue ce matin, il y a eu Gilles Brégand de l'Agence Nationale des Fréquences qui nous a montré que notamment Iliad allait, en tout cas comptait, allumer peut-être prochainement pas mal d'antennes 5G en bande 700. Mais pour vous, il faut vraiment différencier la 5G en bande basse 700 qui porte loin, mais qui n'a pas les mêmes caractéristiques que la 5G en bande 3.5, dont les fréquences viennent d'être vendues aux opérateurs télécoms. Il faut être clair sur les attentes que l'on a par rapport au déploiement de cette 5G. Si on souhaite effectivement que la 5G apporte, par exemple, 3, 5 fois plus de débit, ça n'est pas sur la bande 700 MHz qu'on pourra le faire. Donc la 5G en 700 MHz fournira un débit qui sera très proche de la 4G actuelle. On peut dire que c'est de la vraie 5G ou de la fausse 5G, peu importe, mais en tout cas, on ne peut pas prétendre que la 5G en 700 MHz, ce sera le même service que la 5G en 3,5 GHz. Et pourquoi on dit effectivement 5G des villes, 5G des champs ? Parce que l'autre différence, c'est que la portée, si vous voulez, en fréquence haute est beaucoup, beaucoup plus faible qu'en fréquence basse. Et donc, on peut effectivement envisager de déployer la 5G en fréquence haute dans les campagnes, mais à ce moment-là, on aura à déployer beaucoup plus de sites que si on le fait en 700 MHz. Donc il y a un arbitrage en fait technico-économique qui doit être rendu. Et pour l'instant, je ne connais pas les business plans internes des opérateurs, mais je ne pense pas qu'ils aient l'intention de déployer beaucoup de 5G 3,5 GHz dans les zones rurales. Dans les zones rurales. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté ? C'est pas très étonnant que les nouvelles technologies reproduisent des problèmes qui existaient déjà, qui existaient avant. Avec le déploiement de la 3G, de la 4G, qui ont débouché sur des fractures numériques qu'on a bien du mal encore à résoudre aujourd'hui. Ce qu'on voit quand même aujourd'hui, c'est que dans les campagnes, vous avez un service que vous auriez pas osé, dont vous auriez pas osé rêver il y a 20 ans. Donc le progrès arrive, il arrive juste avec un décalage. Et l'enjeu, c'est effectivement de discuter avec les opérateurs pour que le décalage soit le moins grand possible et soit probablement... combler le plus vite possible, mais il faut reconnaître malheureusement que les gens habitent d'abord dans les villes aujourd'hui, et que c'est quand même la majorité de la population, et c'est sans doute effectivement ce qui est le moins cher. Mais à terme, on est tout à fait d'accord que l'égalité territoriale, c'est un des grands espoirs de sa 5G, et que justement, on va pouvoir arriver à combler ce déficit de présence en service de santé, en possibilité de mobilité, et que malheureusement, on sait, il faut être lucide, ça n'arrivera pas dans les prochaines années, parce qu'en effet, ça va prendre du temps pour que la vraie 5G, si vous voulez, fournisse l'intégralité de son service. Christine Aignon, à ce sujet. Alors, moi, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience depuis 3 ans, parce que bon, j'entends mes collègues aussi, les débats qu'on a à l'Assemblée, de la nécessité donc d'avoir un aménagement du territoire, du numérique, puisque maintenant, c'est vraiment essentiel dans notre quotidien. On le voit dans cette crise du Covid.
tout le monde en a besoin pour l'éducation, pour la médecine, etc. Mais je pense qu'il ne faut absolument pas se focaliser sur cette 5G de manière isolée si on veut vraiment penser aménagement du territoire en France. Parce que si vous prenez les échos d'hier, vous aviez un article disant que la fibre aujourd'hui fait donc décolle vraiment en France, qu'on a rattrapé sans doute un retard qu'on avait là-dessus. Grâce aussi au confinement d'une certaine manière. Alors, au niveau des prises d'abonnement, mais il fallait d'abord tirer la fibre. Tirer le fil. Voilà, donc et là il y a quand même un projet de France Très Haut Débit qui a été accéléré. Et je pense que c'est cette combinaison de technologies qui fera qu'on amène vraiment dans l'ensemble des territoires français le numérique avec le débit suffisant. Parce que bon, la 5G, vous n'êtes pas obligé de l'avoir de bout en bout. Hein. Vous pouvez aussi, il faut la fibre au pied des pylônes. Donc, et ça, aujourd'hui, on est en train de le faire. Et ça permettra vraiment, je pense, à la 5G de se déployer plus vite là où on en aura besoin, sur les zones industrielles, sur aussi des zones d'habitation, et d'imaginer peut-être des solutions qu'on n'a pas aujourd'hui. D'accord. Thibaut Ducret, à ce sujet, 5G des villes, 5G des champs, est-ce que c'est un problème selon vous ? En tout cas, c'est un sujet, et je suis d'accord avec ce qui a été dit. En revanche, on apporte avec la 5G, mais c'est vrai avec tous les déploiements de technologies, on apporte un message que l'économie numérique vient se placer à côté des acteurs locaux et souhaite le faire, avec une logique économique des grands acteurs, évidemment. Et on l'a dit, on verra s'ils opèrent à proximité de la vache ou de l'étable. Mais en tout cas, ils opéreront à proximité de la ville et même des villes de taille moyenne. Et ça, je pense que c'est un formidable élan pour l'économie locale. Chez Talent, nous accompagnons des sociétés qui aujourd'hui se positionnent de préférence dans les grandes villes parce que le service numérique y est plus déployé. Et la 5G ne va pas apporter que de la radio, elle va apporter aussi le data center, le mini data center et l'infrastructure de proximité, qui devrait, en tout cas on l'espère, donner envie aux acteurs locaux de créer leur service, et un service à l'échelle locale, peut-être auquel ils n'auraient pas pensé ou qu'ils n'auraient pas osé faire parce que le service était plus distant, ils se sentaient moins concernés. Ils vont opérer localement, déjà pour le déploiement de l'infrastructure et peut-être pour sa maintenance, et pour profiter des avantages d'une donnée rapprochée. Donc je suis d'accord, moi aussi j'appelle de mes voeux une meilleure connectivité des territoires. Après, il y a une logique physique, les fils ou les ondes ne peuvent pas être déployées n'importe où, n'importe comment. Mais en tout cas, on va créer un élan et on va créer, je pense, une meilleure adhésion à ces apports. D'accord. Je reviens rapidement là-dessus. Peut-être je vais revenir vers vous, Christine Aignan, rapidement. Il y a eu, semble-t-il, en tout cas, un changement de paradigme sur le déploiement de cette technologie, et notamment l'accessibilité de la 5G vis-à-vis des territoires, avec des nouvelles obligations qui ont été fixées au moment des enchères de fréquences, de couvrir les territoires et surtout de ne pas les oublier. Oui. Un petit peu dans la prolongation du New Deal mobile, de cet accord entre l'État et les opérateurs qui visait à couvrir les zones blanches, d'après vous, est-ce que c'est suffisant ? Alors actuellement, ça doit être 25% d'obligations. Ouais. Alors, c'est vrai que les premiers besoins urgents vont quand même arriver sur les centres-villes avec la saturation de la 4G. Moi, je suis dans un territoire très dense, les Hauts-de-Seine. Donc, effectivement, avec la multiplication des usages, on se rend compte déjà dans certains endroits à Paris, il suffit d'aller aux Invalides, là. Que la 4G rame. Donc, effectivement, on va en voir ce besoin au niveau de la densification. Donc c'est aussi pour ça que les opérateurs ciblent cette application. On sait aussi que il va y avoir aussi des paliers dans la 5G. Là, on a d'abord cette densification. Ensuite, il y a les questions de latence, de temps réel qui vont arriver. Et là, je pense que ça va être important pour la télémédecine. Donc là, tout de suite, par exemple... Dans les territoires, dans les régions, on voit des applications immédiates. Bien sûr. On peut faire des choses avec la 4G, déjà. Il ne faut pas dire qu'on ne fait rien avec la 4G. Mais avoir, effectivement, des applications plus poussées. Donc, effectivement, il va falloir trouver l'équilibre entre
Bon, ces 25%, comment je les déploie, où sont les priorités, parce que il va y avoir aussi sans doute des choses à pousser peut-être, hein, à discuter des priorités avec les opérateurs. Olivier Bebeau, à ce sujet, est-ce que vous estimez que ce changement de paradigme, en tout cas c'est comme ça que c'est présenté par le gouvernement, c'est suffisant, c'est insuffisant, Le passage de la 4G à la 5G, vous voulez dire? Le passage, le fait de ne pas oublier les territoires dans le déploiement de la 5G et des nouvelles technologies. On a parlé lors de la table ronde précédente, par exemple, de la généralisation de la couverture de la fibre à horizon 2025. Mmh. Qu'est-ce que vous en dites? On est tout à fait conscient qu'aujourd'hui, un des enjeux, mais politiques de long terme, hein, c'est d'arriver à maintenir la cohérence, cohérence des populations sur les territoires. Et que ce fossé social, il est d'abord un fossé géographique. En tout cas, il se traduit par un fossé géographique, ce qui est d'ailleurs électoralement assez facile à voir, superposer les différentes cartes, on le sait. Donc, il est évident que la capacité à apporter la prospérité, les avantages de la technologie aux lieux qui aujourd'hui en sont en tout cas un petit peu privés, est fondamentale, mais pour une question d'ordre social, hein, ou on pourrait dire même d'égalité politique. Donc, je crois que les gens en sont extrêmement conscients. Et derrière aussi, je pense vraiment qu'il y a l'accès à ce que sera le luxe du 21e siècle, c'est-à-dire le temps, l'espace et les racines. Pour moi, c'est le triple luxe. Le temps pour soi et pour les autres, les racines, c'est-à-dire le fait d'habiter dans un endroit qui a un sens et dont pour lequel on partage le projet commun avec lesquels des gens avec lesquels on vit, et puis l'espace, c'est-à-dire la capacité à ne pas compter le demi-mètre carré en année d'emprunt. Donc je crois qu'on est en fait en France assis sur un tas d'or extraordinaire, c'est nos territoires, avec une richesse, avec une qualité de climat, avec une densité de patrimoine qui est extrêmement forte, et qu'en fait, on va pouvoir le valoriser. Moi, je crois profondément que la 5G, ça va être la clé pour arriver à valoriser, à apporter un petit peu les avantages de la ville à la campagne. Alors, la 5G, concrètement, c'est 1 million d'éléments connectés par kilomètre carré. Donc, on a parlé de la santé. Il y a beaucoup d'espoir à développer autour du maintien à domicile, par exemple, de la communication, du fait que demain, on sait très bien que la santé va être plus un capital à entretenir qu'un problème qu'on va régler quand on sera malade. Donc en permanence, on va être monitoré. D'une façon ou d'une autre, on va être monitoré. Pour être monitoré, il faut la 5G. La deuxième idée, c'est évidemment celui des transports autonomes. Transports autonomes, ça demande beaucoup d'infrastructures, en fait. La technologie, elle est au moins autant dans la voiture qui est autonome que dans les infrastructures qui vont l'accompagner. Et ça, la 5G va aussi aider à ces choses-là. Et peut-être que je rêve encore aujourd'hui, mais si demain vous pouvez habiter peut-être dans la campagne champenoise, et puis le véhicule que vous aurez loué, parce qu'évidemment vous ne serez pas propriétaire, vous aurez loué une flotte de véhicules, va venir vous chercher, vous pourrez aller à une réunion à 1h30, ça change complètement là où vous pouvez habiter, là où vous pouvez travailler, avec l'hybridation du travail et du télétravail auquel on assiste aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a des choses extraordinaires qu'on peut voir. Et pour comprendre ça, il faut comprendre, pardon, je ne veux pas être trop long, mais que la technologie, on ne sait jamais ce qu'on en fait avant qu'on s'en soit saisi. Souvenons-nous, Graham Bell, il travaillait sur la déficience auditive. C'est comme ça qu'il a utilisé le transport du son. Qu'au début, quand on a inventé le téléphone, on pensait que ça allait servir à écouter à distance le théâtre. Voilà. On pensait que la première idée qu'on a eue, c'est ça. Et quand on regarde les anticipations en 1900, quand on faisait des cartes postales rigolotes en disant la vie en l'an 2000, c'est très intéressant parce qu'ils avaient très bien anticipé les technologies. Ils voyaient très bien ce qu'on arriverait à faire, en fait. Tout s'est réalisé. On va parler à distance, on va voyager plus facilement, voler, etc. En revanche, socialement, ils étaient incapables de prédire la façon dont on allait se saisir du truc. Qui pouvait comprendre les conséquences, d'ailleurs terribles, des réseaux sociaux sur la politique et la démocratie avant que ça arrive? Je me souviens très bien avoir pensé, quand on nous a expliqué qu'on allait pouvoir s'envoyer des photos, mais qui a envie de s'envoyer des photos? Et que c'était un truc encore qu'on essayait de nous vendre pour nous soutirer du fric. Qui a envie de s'envoyer des photos? Donc c'est ça qui est étrange et difficile avec la technologie, c'est qu'on ne sait vraiment ce qu'on va en faire qu'au moment où on l'a fait. Et l'ordinateur, au tout départ, on ne savait pas quoi en faire dans les entreprises. Tout à fait. Alors, on reviendra là-dessus un petit peu après. Mais là, il y a Gérard Longuet, donc le sénateur. On a un souci? Bon. Dans un territoire pas connecté. Oui. Je ne sais pas. Pas de 5G. Bon, écoutez, Hugues Farboeuf, du coup, je vous redonne la parole. Mais d'après vous, la, la,
je reviens du coup à ce que vous disiez, Olivier Babeau, c'est sur la difficulté à savoir comment finalement les industriels ou les acteurs vont se saisir d'une technologie. Ça a fait l'objet de la 5G a fait l'objet de beaucoup de débats à ce sujet. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de personnes, beaucoup d'élus, de responsables, finalement, auraient bien voulu savoir à quoi ça allait servir immédiatement. Or, c'est ce qu'on disait avec le téléphone et le théâtrophone, c'est quasi impossible, en fait, dans quasiment toute innovation. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, il faut laisser ça, d'une certaine manière, laisser la technologie irriguer un petit peu les territoires et lui laisser le temps de faire des petits Je pense que là, on a abouti à une question assez fondamentale, en fait. C'est est-ce que l'on souhaite que l'évolution de notre société continue à être tirée par les évolutions technologiques, ou est-ce que l'on souhaite que la technologie serve l'évolution vers un modèle de société qui est celui que l'on veut? Moi, je ne suis pas certain que les évolutions des dernières années, et notamment le développement d'un certain nombre d'usages numériques, et Olivier vient d'en citer certains concernant les réseaux sociaux, aient abouti à une amélioration du bien-être sociétal. Si on revient sur la problématique d'aménagement du territoire, moi, je suis tout à fait d'accord, il faut raisonner globalement en termes de numérique. Et il faut se dire, voilà finalement quelle est la cible que l'on veut atteindre. Je ne sais pas s'il faut recourir à la notion de service essentiel ou de ce genre de choses, mais en tout cas, il faut se poser la question de savoir quel est le type de société vers lequel on souhaite aller. Ce type de société, ça intègre sans doute le fait qu'on voit bien en ce moment, les gens souhaitent effectivement retourner dans des endroits où ils ont plus de place, ils ont peut-être plus d'accès à la nature, etc. Donc on ne peut pas partir de l'idée que la cible dans 5 ou 10 ans, c'est forcément la reproduction de ce que l'on a aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est si effectivement on a un exode relativement massif, comme c'est le cas en région parisienne, aujourd'hui on a 40% des gens qui habitent Paris qui souhaitent habiter ailleurs. Donc si on a ce type d'exode relativement massif, il faut en tirer les conséquences, notamment en termes d'infrastructures numériques qu'il faut déployer. Et comme on ne pourra pas tout faire, il faut aussi se poser la question des types d'usages numériques que l'on veut favoriser. Mais c'est difficile. Ben, c'est difficile, mais ça exige d'y réfléchir. Vous disiez, la 5G a fait l'objet de beaucoup de débats. Je ne suis pas sûr qu'elle ait fait l'objet de beaucoup de débats. Elle a fait l'objet de beaucoup d'échanges médiatiques. Je ne qualifierais pas ça de débat. D'accord. Et je pense qu'il manque effectivement... je ne sais pas si on veut appeler... Moi, je n'appellerai pas ça les états généraux de la 5G, mais effectivement, il y a une nécessité de débat citoyen et politique, au bon sens du terme, sur vers quoi voulons-nous aller en fonction des défis démographiques, mais aussi environnementaux que l'on a affrontés dans les 10 ans qui viennent, et dans quelle mesure et comment les infrastructures numériques peuvent nous aider à y aller. Moi, je n'ai pas le sentiment qu'on ait tout à fait cette démarche. Et la 5G, je dirais, est l'occasion d'identifier, à mon avis, ce manque. Voilà. Très bien. Je vais juste donner la parole à Gérard Longuet qui vient de nous rejoindre. Donc là, c'est bon. Vous nous entendez ? D'accord. Parce que sinon, je vais dire ce que... Vous nous entendez ? Alors non. Oui ? On le voit, mais on ne l'entend pas. Bon, écoutez, Christine Aignon, je vous redonne la parole. Oui. Bah, écoutez, je vous remercie de dire ça, parce que effectivement, moi, je suis aussi d'accord avec vous. On aurait besoin d'avoir un débat citoyen qui dépasse tous ces clichés qu'on peut avoir et qui sont brandis par des personnes d'ailleurs qui n'ont pas forcément bien compris de quoi il s'agit. Bon, j'avais moi-même l'intention d'organiser quelque chose à l'Assemblée, mais on a vraiment été bloqué par la crise du Covid. Hein, citoyen sur les usages de la 5G. Oui, parce que bon, au-delà d'être députée des Hauts-de-Seine, je suis aussi première vice-présidente de la Commission supérieure du numérique et des postes. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on pensait que c'était absolument nécessaire de s'en emparer. Bon, peut-être qu'il ne sera pas trop tard dans 6 mois. Hein,
la 5G, c'est un sujet d'avenir et les questions seront toujours présentes. Donc là, effectivement, je pense qu'il faut avoir un débat sur quels en sont les usages, qu'est-ce que ça peut nous apporter, parce que c'est une rupture. Il ne faut absolument pas comprendre la 5G comme la continuité de la 3G et la 5G. Mmh. Et toute la dimension, effectivement, de données, c'est vraiment à inclure. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette 5G qui va produire des données? Alors, vous avez parlé, effectivement, d'avoir des data centers de proximité. Je crois que ça, c'est aussi important pour le développement de nouvelles applications. Il n'y a pas uniquement la voiture autonome. Hein. D'ailleurs, la voiture autonome, ce n'est pas la première application probablement qu'on aura. Et il n'y a pas forcément que la 5G pour la voiture autonome non plus. C'est là où il faut aussi se dire quelle va être la meilleure technologie pour une application. Parce que là, on a quand même un foisonnement de solutions et qu'il faut arriver, et c'est ça la complexité, qu'il faut arriver aussi à voir dans leur impact global. Et c'est là où il y a beaucoup de paramètres sociaux, environnementaux, économiques qu'il faut absolument. Alors, on va revenir sur cette notion notamment de débat citoyen. Mais Gérard Longuet, est-ce que vous nous entendez? Il y a un petit souci avec le micro? Non. Bon, Thibaut Ducret, je reviens du coup vers vous sur cette... on a un petit souci technique, mais sur... est-ce qu'il faut un débat citoyen sur les usages de la 5G? Vous se posez davantage la question, qu'est-ce qu'on va faire de cette technologie, quitte à cibler, à identifier quel techno on a besoin pour tel type d'usage? Est-ce que c'est de la 3G, de la 4G, de la fibre, de la 5G? Est-ce que derrière, il nous manque des états généraux, finalement, sur cette thématique-là? Ce serait très risqué de dire qu'il ne faut surtout pas débattre, parce qu'au contraire, je pense que la solution vient du dialogue. Nous avons déjà beaucoup cherché quels étaient les usages, qu'est-ce qu'on en attendait réellement. Et on, c'est nos partenaires industriels ou les entreprises. Et j'insiste, pas que des entreprises du numérique, des entreprises qui doivent s'appuyer sur le numérique pour optimiser, fiabiliser. Donc, la réponse simple à votre question, c'est avec plaisir, discutons, trouvons les bonnes orientations et les bons usages pour avoir une 5G mesurée si elle doit avoir des défauts, des inconvénients sur certains aspects, que ce soit des aspects de radio, de figure dans le paysage de certaines antennes, ou des aspects de data center. Tout ceci a un coût et un enjeu. Il faut avoir ce débat. Nous, on se positionne réellement du côté de l'usage. On appelle de nos voeux des technologies supplémentaires pour notamment tout ce qui va accompagner l'Internet des objets. L'Internet des objets, ou l'IoT, pardon pour le terme, doit s'appuyer sur des réseaux, et si possible raisonnables, et en même temps qui puissent rendre un service assez précis. On a parlé de la télémédecine, mais il y a qui nécessite une latence et un débit faible pour l'un et formidablement élevé pour l'autre, mais on a des usages plus simples qui malgré tout ne se satisferont pas des réseaux qu'on a à disposition aujourd'hui, si vous voulez, piloter de manière assez continue et assez sécurisée des réseaux, des équipements mobiles, tracer des containers, tracer des objets qui, par nature, doivent être mobiles, tracer des lieux qui sont des lieux dangereux. On parlait de la voiture autonome, je crois que, et c'est pas du tout le seul usage, mais l'intérêt de la voiture autonome, c'est avant tout probablement d'éviter les problèmes qu'elle crée elle-même, la voiture, avant d'être autonome. Si elle peut parler à son passage à niveau, on n'a pas besoin d'être 100% autonome, on aura gagné des choses. La 5G n'est pas forcément la seule techno pour ça, mais le passage à niveau, il peut savoir qui se dirige vers elle, et le train et la voiture. Et puis, il y a des applications plus simples et plus instantanées dès demain. Vous pouvez surveiller à proximité des habitations de tout le monde le poste de transformation de gaz. C'est important de le surveiller, qui vous parle en fait, que vous soyez au courant de ce qui est en train de se passer ou de ne pas se passer. Sur des infrastructures de réseaux électriques, alors j'ai parlé du gaz, des réseaux ferrés, des réseaux routiers, savoir qu'est-ce qui se passe à quel moment,
de manière raisonnable. On va faire des économies de trajet, de dépenses, d'entretien, de maintenance. On va faire des économies de sécurité. On va créer de la sécurité. C'est une sécurité du quotidien. Ce n'est pas l'essor des caméras que personne n'a envie de voir arriver. Mais je pense une sécurité du quotidien avec cet objet industriel à proximité et communicant. Et on crée aussi une économie logistique en suivant mieux ce que les entreprises de transport de logistique appellent leurs actifs, leurs containers, en tout cas leur paquets, donc que ce soit des véhicules ou des enveloppants, pardon, avec un meilleur suivi, une meilleure traçabilité, et si possible à moindre coût double, hein, je parle à moindre coût économique et environnemental écologique. Olivier Babot, là-dessus, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il nous faut un débat citoyen? Vous disiez tout à l'heure, c'est difficile, en fait, est-ce que ça ne va pas non, aussi à l'encontre, d'une certaine manière, de la démarche classique d'innovation? On parlait du téléphone et du théatrophone. En fin de compte, quand les réseaux 3G et 4G sont arrivés, on ne pensait pas qu'on allait forcément, pour la 3G, qu'on allait surfer sur Internet avec son mobile. Jusqu'à ce que Apple ouais. sorte l'iPhone. Mmh. Donc je comprends ce besoin, en fait, si vous voulez, de débattre des usages pour optimiser même ensuite, c'est-à-dire faire un peu le contraire de ce qu'on fait maintenant d'une certaine manière, pour optimiser ensuite la couverture et notamment la couverture des territoires. Mais est-ce que c'est pas compliqué dans le sens où, finalement, on ne sait pas ce que la technologie nous réserve et la manière dont les industriels vont s'en saisir? En fait, le débat, pourquoi pas, mais ça dépend ce qu'on attend réellement. C'est-à-dire, si on en attend des prévisions pour éclairer, on s'illusionne totalement. Mmh. Hein. Si on attend, en revanche, une prise de conscience et une facilité d'adoption, à ce moment-là, oui, on a raison. Donc, de ce point de vue-là, c'est un outil démocratique intéressant. Bon. Si on avait fait un débat sur la roue ou sur l'ordinateur, il n'est pas certain qu'on aurait eu des bons résultats. Quand M. Sony a lancé son baladeur, toutes ses équipes étaient contre. Hein. Ils pensaient que ça ne servait à rien d'avoir un Walkman. Donc, comme je disais, c'est toujours très, très compliqué d'arriver à savoir ce qui va changer le monde. Et vous savez, c'est Taleb dans le Cygne Noir qui explique que ce qui change vraiment le monde, c'est ce qu'on n'avait pas prévu, par définition. C'est le truc qu'on n'avait pas vu. Dans les années 92, je crois que c'était en 1992, quand Clinton a demandé à tous les plus beaux esprits aux États-Unis de demander ce qui allait changer le monde, aucun dans son rapport n'a parlé d'Internet. Alors, il y avait déjà 1 million de gens qui surfaient à l'époque. C'est extrêmement compliqué de voir ce qui se passe. Alors, Hugues a dit un truc fondamental et à la fois vertigineux, c'est la question du bien-être. En effet, qu'est-ce qu'on veut pour la civilisation? Bon, si on prend un peu de recul, on se dit, mais est-ce que le néolithique, est-ce que la sédentarisation, c'était vraiment bien pour la civilisation? On a perdu 12 cm de taille moyenne entre le moment où on était chasseur-cueilleur et le moment du néolithique. On a commencé à avoir des problèmes de dos, des problèmes de genoux, notre alimentation est devenue totalement déséquilibrée, on s'est développé d'une façon démographique totalement dingue, on a probablement d'ailleurs à terme supprimé ceux qui étaient chasseurs-cueilleurs et qui n'avaient pas fait pas de sédentarisation. Est-ce que c'était un mieux? Je ne sais pas, mais ce qui est vrai, c'est que c'est arrivé. Ce que je constate aussi, c'est que ce qu'on considère comme étant absolument nécessaire, bouge avec le temps. À une époque, il y avait gaz à tous les étages, parce que c'était un plus. Aujourd'hui, c'est évident que vous avez le gaz. Aujourd'hui, quand vous êtes malheureusement, vous n'avez plus aucun revenu, enfin, le gaz ou autre chose. C'est interdit. Oui, enfin, c'est vrai. Vous êtes connecté à l'énergie. Parlons de l'eau. C'est pareil pour vous. En 1930, si je ne me trompe pas, il y a 30% des gens qui avaient l'eau courante encore. Aujourd'hui, c'est absolument nécessaire. Aujourd'hui, quand on vous coupe l'électricité, on va vous laisser un minimum pour faire. C'est marrant, hein. Enfin, c'est jamais marrant quand ça vous arrive, mais la télévision, une lampe et le réfrigérateur. C'est donc l'essentiel qu'on estime, l'essentiel absolu, la télévision. Hein. Donc, en fait, ce qu'on estime absolument indispensable évolue avec le temps. Et aujourd'hui, quand toutes vos démarches en ligne vis-à-vis de l'État, se font en ligne de plus en plus, on va considérer qu'avoir Internet fait partie d'un service essentiel. C'est ce qui est le cas aujourd'hui. Ce que je veux dire, cette notion de service essentiel, rendez-vous dans 20 ans, vous allez voir ce que c'est que le service essentiel, et ben, on sera très très loin de ce qui se passe aujourd'hui. On a peut-être l'impression qu'aujourd'hui, c'est l'âge de Louis XIV. C'est un service essentiel. Luc Ferboeuf à ce sujet. Oui. Non, j'aurais juste envie de rajouter que, effectivement, l'univers des choix concernant le futur, par définition, on ne peut pas le connaître exhaustivement. On peut quand même en anticiper plusieurs trajectoires possibles. Mais ce qui est clair également, et je pense que je vais prendre ma casquette environnementale, c'est que il va falloir faire ces choix dans un réseau de contraintes qui va être croissant. Et donc, fatalement, un certain nombre de ces contraintes vont empêcher que des choix
qui pourraient être attractifs à court terme soient pérennes. Et donc, il me semble que dans ce débat, si on veut en avoir un, il faut effectivement injecter cette réflexion qui est que nous ne pourrons pas tout faire. Les ressources en énergie vont être limitées. Le coût de l'énergie va beaucoup augmenter. Les ressources en matières premières seront également limitées. Et puis, je ne parle pas de l'adaptation nécessaire au changement climatique qui va de toute façon se produire. Il fera 2 degrés de plus en 2040 qu'il ne faisait au début du siècle, du siècle, 20e siècle. Et donc, tout ça, il faut en tenir compte parce qu'on sait que ça va se produire. Ça doit nous servir à optimiser finalement les choix que l'on peut faire, mais dans une enveloppe qui est limitée par ce réseau de contraintes. Je crois que c'est, à mon sens, c'est ça la rupture peut-être que l'on a par rapport, il y a encore une dizaine ou une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, on pouvait se dire, on peut faire ce qu'on veut. Aujourd'hui, nous ne pourrons pas faire ce qu'on veut. Enfin, ou si nous faisons ce que nous voulons pour maximiser un bénéfice à court terme, nous devons être conscients que nous aurons des conséquences néfastes sur ceux qui auront les mêmes choix à faire dans 20 ans. Thibaut Ducret, je voudrais vous entendre à ce sujet. Et puis derrière, est-ce que ce débat lié notamment à la sobriété numérique, hein, d'une certaine façon, qui est en lien avec ça, ou au respect en tout cas de l'environnement, est-ce qu'il n'a pas déjà été amorcé? L'ARCEP, par exemple, quand il y a eu ces débats sur est-ce que la 5G va être trop énergivore, est-ce qu'elle va nuire à la planète, l'ARCEP a par exemple lancé un travail sur un nouveau pan de la régulation lié à la sobriété numérique. Rien ne dit que ça va déboucher forcément sur une nouvelle régulation et de nouvelles règles et contraintes, mais est-ce que d'après vous, le débat n'est pas déjà là, en fait, d'une certaine manière, avec toutes les critiques et toutes les craintes qu'on a pu entendre depuis le printemps dernier autour de la 5G. Je pense qu'au-delà de la 5G, je ne sais pas si le débat a eu lieu, je ne pense pas, sinon on n'en parlerait pas. En revanche, la prise de conscience... Elle est là. Elle est là. Je pense qu'aucun chef d'entreprise aurait envie de dire « je vais faire ce que je veux, rassure-toi ». En revanche, de là à ce qu'il fasse autre chose que des bêtises... Mais il faut une mesure et le débat est important là-dessus. Non, réellement, je crois que la nécessité, une fois de plus, de notre fenêtre, nous sommes des acteurs du numérique et nous sommes des accompagnants du numérique, de notre fenêtre. Nous pensons que l'entreprise de ce siècle, de ce 21e siècle, est une entreprise numérique, quelle que soit son activité, et que c'est nécessaire de le faire d'une manière raisonnable, de l'accompagner d'une manière raisonnable, mais en même temps sans trop freiner, parce que sinon l'entreprise n'existera pas, elle se fera doubler par les autres. Donc il faut être alimenté, il faut donner de la connaissance et de la compétence. Il faut mais pas réglementer d'une certaine manière ce que vous dites. Pas réglementer davantage Je pense qu'il faut réglementer. Je pense qu'il faut toujours réglementer à la lumière d'activités qu'on ne connaît pas encore. Donc on va avancer un peu, réglementer, constater et mesurer. Il faut le faire de manière... peut-être pas autant engageante que certains grands choix industriels, mais qui parfois sont nécessaires dans le passé, mais il faut accompagner d'un débat et il faut accompagner d'une question de chacun envers chacun. Une entreprise, j'aime bien ce nom, une entreprise s'appelle aussi une société. Et donc ce microcosme de société au service de la société avec peut-être un grand S doit participer à cette réflexion. Mais on n'empêchera pas, je pense, des millions ou des milliards d'objets de se connecter, plusieurs millions par kilomètre carré. On ne l'empêchera pas, ce sera nécessaire pour des usages et pour des besoins. J'ai parlé beaucoup de sécurité, de traçabilité, il va y avoir de l'alimentaire ou du textile et des choses qu'il faut tracer pour notre bien-être. Et je vois Hugues qui oscille de la tête. Et je suis d'accord avec la raison fondamentale de cette ondulation. C'est, effectivement, il faut le faire de manière raisonnée et raisonnable. Et il faut se poser la bonne question au bon endroit, la bonne ressource. Nous sommes convaincus, par exemple, qu'il ne faut pas déployer un ordinateur complet pour aller capter quelques informations d'un objet connecté. Il faut le connecter correctement, avec des choses raisonnables. On peut s'alimenter ensuite avec une source renouvelable, on peut résoudre
d'un point de vue local, une petite question énergétique, et puis restera la partie, la question énergétique sur le fameux data center et puis l'antenne de la 5G, ces choses-là qui, elles aussi, consomment. Mais si à chaque point de ce logiciel géant et distribué qu'on construit, on peut se poser la question énergétique, on aura gagné. Et moi, j'appelle ça de tous mes voeux, ce terme de sobriété numérique, de SI durable, de green IT, vous l'appelez comme vous voulez, et c'est absolument nécessaire. Si on fait n'importe quoi, on va déplacer la puissance de l'iPhone, on va la déployer sur chacun de nos petits objets connectés sous prétexte que c'est pas très cher parce qu'on n'en voit aucun coût indirect. Le coût direct est quand même assez peu élevé. Mais si on réfléchit plus efficacement sur mon usage actuel, c'est ça, et j'ai utilisé un produit qui est exactement dimensionné aux besoins actuels et qui me permet de voir venir 2, 3, 4 ans ou même 2, 3, 5 mois. Mais en tout cas, voilà, de manière mesurée, on reste sobre, mais on reste très numérique, parce que dans sobriété numérique, il y a aussi numérique. Et il faudra jongler et arbitrer entre les deux aspects. Ouais. Christiane. Oui, je pense que cette étude là, qui est lancée conjointement entre l'ADEME et l'ARCEP est importante, parce qu'on a besoin aujourd'hui d'indicateurs et de savoir sur quoi il est important de peser, et si on veut réguler, quelles sont les bonnes mesures. Là, on a essentiellement parlé de la 5G, on pense aux antennes, on pense aux entreprises. Les premiers retours qu'on a de ces études de l'ADEME, c'est que l'impact, c'est surtout nos portables. Et donc, ça veut dire que là aussi, ben, forcément, il faut penser à ce qu'ils puissent avoir une durée de vie plus longue. Ça veut dire peut-être un peu de régulation quand même au niveau de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, comment faire en sorte que les processeurs durent un peu plus longtemps, que sur les logiciels, on n'ait pas non plus un foisonnement de remise à jour plus ou moins utile. Donc voilà, je pense que c'est aussi pour ça qu'on a besoin de se pencher sur ces questions, pour vraiment regarder ce qui est important et ce qui va avoir un impact. Juste rajouter la notion d'arbitrage me semble, et de réglementation, je ne sais pas, en tout cas, de régulation me semble importante. Pourquoi ? Parce que les objets connectés, virtuellement, on peut tout connecter. Et on peut connecter y compris les chaussettes et les poêles à frire. Et je ne vous donne pas des exemples au hasard, ce sont des choses qui existent. L'utilité environnementale de la poêle à frire connectée reste à démontrer. Et même l'utilité en termes de bien-être, à mon avis, reste également à démontrer. Ce que je veux dire, c'est que on est à un moment, à mon avis, de notre évolution, où nous avons la capacité de prioriser un certain nombre de choix, mais nous avons aussi l'obligation de prioriser un certain nombre de ces choix. Et je ne pense pas qu'on puisse se satisfaire d'un scénario où on va systématiquement connecter tous les objets du quotidien juste pour le plaisir de remplacer une interaction physique par une interaction virtuelle. D'autant que ça nous amène après sur une autre problématique qui est les virtualisations excessives finalement de nos interactions a aussi des conséquences sur nos comportements et sur notre équilibre psychique, mais c'est pas l'objet du débat. Mais c'est aussi, ça fait à mon avis, ça doit aussi faire partie du débat. Donc ce que je veux dire, c'est tout à fait dans les objets connectés, il y a des applications qu'il faut pousser et il y a des applications qui peuvent servir à la fois en termes d'amélioration du bien-être, d'amélioration de la performance économique et même d'amélioration de la performance environnementale. Mais il y en a aussi tout un tas qui ne sont, pour simplifier, que des gadgets. Donc, on peut avoir quelques gadgets, mais on n'est pas forcé d'en avoir 50 dans une maison. J'espère que vous n'avez pas cru que j'appelais à la chaussette connectée. Nos enfants en rigoleront peut-être. Qui sait, ça sera peut-être très utile. Moi, il y a une question que je me pose par rapport à ce que vous dites. C'est qu'en fait, ça signifie d'avoir la main sur les usages. À partir du moment où on sélectionne, où on se demande, on s'interroge sur qu'est-ce qu'on va faire. Qui décidera du gadget. Ça signifie aussi de ne pas se retrouver à acheter sur étagère des solutions étrangères. Or,
pour la 3G et puis surtout pour la 4G, on s'est retrouvé avec finalement des usages qui se sont imposés à nous. Donc ma question est pour ce nouveau tour de table, c'est l'histoire ne va pas se répéter et est-ce que derrière, en fin de compte, je comprends ce souci d'un débat citoyen sur les usages, etc., des choses moins énergivores, mais est-ce qu'on ne risque pas de se faire imposer des usages venant de pays qui n'ont pas les mêmes considérations que nous sur ces sujets-là. Voilà. Oui, alors si je peux m'exprimer en premier là-dessus, moi, je pense qu'il y a effectivement une prise de conscience extrêmement importante, qu'il faut que toutes les entreprises européennes aient une prise de conscience de l'importance du travail de normalisation. Ça, c'est un... Franchement, pour me pencher sur ces sujets... et un sujet que je connaissais aussi dans ma vie antérieure, je pense que là, on n'est pas assez présent. Et on n'est pas assez présent par rapport aux entreprises américaines, et maintenant aussi par rapport aux entreprises chinoises, qui sont extrêmement présentes dans tous les organismes de normalisation, autour du numérique, autour des télécoms. Et si on ne veut pas effectivement, parce qu'on commence quand même à parler de 6G, ne me demandez déjà pas ce que c'est, je ne sais pas. Nokia commence à en parler d'ailleurs, il était là à la première table ronde. Oui, mais il ne suffit pas d'en parler, il faut que Nokia soit effectivement dans les organismes de normalisation, qu'ils y mettent le nombre de personnes suffisant, Ericsson également, et pas que... Et pas que Orange. Orange aussi, forcément. Orange aussi. Mais j'allais dire, pas seulement, il faut des entreprises plus larges que ça, parce que c'est aussi de la donnée. On voit en ce moment, et heureusement, je pense que c'est une très bonne chose, la Commission européenne qui a décidé de prendre le sujet par les cornes et qui là sort un certain nombre de textes pour réguler plus qu'on le fait aujourd'hui, donc tout ce qui concerne les données. Est-ce que ça ira assez loin, j'en sais rien. Mais bon, au moins, il y a une démarche importante au niveau de la réglementation européenne. Il y a aussi toute la question de l'intelligence artificielle qui vient rapidement derrière dès qu'on parle de données. Mais la normalisation, c'est la clé. C'est ce qui nous avait fait être très présents et gagner au niveau de la 2G. C'est que les Européens ont su écrire la norme du GSM. Mais ça, on l'a perdu. Aujourd'hui, il faut mettre le nombre de personnes suffisant. C'est pas seulement un coût, c'est un investissement pour les entreprises et aussi pour nous en tant que citoyens européens. Et là où je pense qu'il faut faire attention, c'est que c'est toujours les grandes entreprises qui vont faire de la normalisation. Et aujourd'hui, toutes les innovations, elles viennent par des plus petites entreprises, par des start-up, par des scientifiques, et il faut aussi qu'on arrive à embarquer toutes ces entreprises, tout cet écosystème dans toute la réflexion de normalisation, et là, au niveau européen et peut-être même du législateur, il faut peut-être imaginer des choses pour aider donc ces entreprises qui, elles, n'ont pas les moyens, parce que c'est du temps et des coûts, à aussi être présente si on veut avancer sur des innovations qui vont marquer le futur. Olivier Babot, sur ce sujet. Il y a un psychologue américain, je crois, qui dit l'homme a un cerveau du paléolithique, des institutions du Moyen-Âge et des technologies dignes des dieux. Et le cerveau, on ne va pas pouvoir le changer tout de suite, heureusement sans doute, mais en revanche, les institutions, on peut les moderniser. Et je crois que c'est l'un des enjeux essentiels aujourd'hui, c'est d'inventer, on le voit avec la fiscalité, pour les GAFA, très, très difficile de fiscaliser quand on a un droit de la fiscalité qui était fondé sur l'idée qu'il y avait une usine à un moment donné où on produisait les choses, au moins c'était clair, quand on n'était pas préparé pour un endroit où vous allez pouvoir rendre un service de 8000 km plus loin et sans absolument aucun contact, ni aucun personnel, ni personne. Voilà. Donc il faut s'adapter, il faut inventer de nouvelles régulations et de nouvelles normes. Et c'est peut-être la chance de l'Europe, on n'a pas des milliards de chances, mais on en a au moins une, c'est qu'on est très très bon pour normer et pour inventer des régulations. Donc reprendre la main grâce aux normes. Et d'ailleurs, on le voit avec l'acronyme sur les données confidentielles. Le RGPD, c'est un des trucs qu'on a, un des grands trucs qu'on a exporté. D'ailleurs, il y a la TVA qui a été inventée en France par Maurice Lauré, un haut fonctionnaire français, un super invention française, et puis le RGPD au niveau européen. Donc, il y a d'autres choses qu'on peut Sur l'IoT, par exemple.
Sur l'IoT, exactement. Alors, moi, je suis toujours très réticent pour faire la différence entre le gadget et l'essentiel. C'est très compliqué parce que si vous lisez dans Dormesson, dans Au plaisir de Dieu, le duc, il ne veut pas absolument mettre le chauffage dans le château parce qu'il dit, mais pourquoi mettre de l'eau chaude et du chauffage? On a toujours fait sans. Hein. Donc, c'est un luxe. Voilà. Ce qui nous paraît absolument essentiel a toujours commencé par être un luxe. Donc, c'est très compliqué. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des trucs gadgets et qu'il n'y a pas un problème civilisationnel lié à notre rapport à l'écran. J'écris des livres là-dessus aussi. Ça m'inquiète comme tout le monde. Bon, déficit d'attention, la capacité à se concentrer, etc. Mais c'est très difficile avant de normer et de dire attention, ça va être inutile, ça va être inutile. Le gadget peut rapidement devenir essentiel. Le gadget peut devenir essentiel, mais tout gadget ne devient pas essentiel quand même, hein, pour autant. Et donc, il y a en effet des problématiques de normalisation. Et derrière, évidemment, vous avez fait allusion entre lignes, mais c'est la cybersécurité. Hein. Et arrêtons d'être complètement naïfs sur la valeur de ces données. Le problème aujourd'hui, c'est que les guerres, on ne s'en est pas encore trop rendu compte, mais elles vont avoir lieu à travers des câbles qui passent sous l'eau en tout cas silence. Et que la prochaine guerre, elle n'explosera pas, il n'y aura pas de la lumière et du son. Ça va être complètement silencieux et ultra rapide. Et ça, on commence à en prendre compte et donc s'en rendre compte. Donc il faut dès maintenant que... C'est une banque qui disait, un responsable d'une grande banque qui me disait que leur système informatique est attaqué 1000 fois par jour. Voilà, 1000 fois par jour, vous avez une attaque importante sur votre système informatique. Donc on est en fait en guerre informatique en permanence, pas seulement pour des questions d'influence politique au moment des élections, mais en guerre économique pour arriver à prendre des informations, arriver à influencer, mettons de façon générale, la répartition de la valeur économique à travers le numérique. Et donc ça appelle à des régulations extrêmement fortes. D'autant plus, évidemment, le jour où tout sera connecté. Une faire un bœuf. Oui, je réfléchissais, j'essaie de faire un parallèle avec d'autres secteurs, parce que finalement on se dit, mais arrivons-nous à éviter qu'on nous impose finalement tout ce qu'on veut qu'on achète? Bon, disons que l'idée, c'est que d'une certaine façon, que le consommateur devienne un consomme-acteur, mais c'est quand même ce qu'il est devenu sur certains éléments de sa consommation, notamment en termes alimentaires. Donc il n'y a pas de raison non plus de penser qu'il ne puisse pas le devenir sur ses achats numériques. Je pense qu'il y a aussi une question d'information, de prise de conscience. Et là, les pouvoirs publics ont une responsabilité et un rôle à jouer. Délicat en matière de numérique. Si on parle de souveraineté numérique aujourd'hui, c'est bien qu'on l'a quand même un peu perdu. Bien sûr, mais parce qu'on n'a pas vu non plus venir la chose. Qui aurait vu venir le fait qu'aujourd'hui, 80% du trafic qui circule sur les réseaux français va en fait vers 20 fournisseurs qui sont en très grande majorité américains. Donc on pourrait dire, d'un certain côté, nous sommes en état de dépendance culturelle par rapport à ces fournisseurs, puisque l'essentiel des interactions, en fait, de contenu auquel nous sommes exposés vient de ces fournisseurs qui utilisent en plus des algorithmes et privilégient les informations qu'ils veulent bien privilégier. Donc, mais tout ça s'est fait de façon progressive, et aujourd'hui, on se rend compte. Alors, c'est pas parce qu'on se rend compte un peu tard qu'il ne faut rien faire. Je pense qu'il y a, pour reprendre un exemple qui n'a rien à voir, mais je suis désolé, mais l'industrie agroalimentaire américaine n'a jamais réussi à imposer le beurre de cacahuète en France. Voilà, et ben c'est un contre-exemple. Donc, inspirons-nous du beurre de cacahuète. Et le beurre salé résiste. Absolument. Le beurre au barat, même. Le beurre au barat, ouais. L'unité. Peut-être Thibaut Ducré, à ce sujet. Tout ne serait pas complètement perdu, mais si je me montrais volontairement, délibérément pessimiste, on a parlé de cloud, d'IA, où on voit aujourd'hui ces grands industriels qui sont censés nous apporter ces changements-là, comme vous le disiez. Voilà, on les voit signer toutes les semaines des gros contrats avec ces acteurs-là. Je parle du cloud et de l'IA parce que dans le cadre de la 5G, c'est des secteurs qui sont amenés à prendre encore plus d'importance que maintenant. Sans être trop pessimiste, est-ce que d'après vous, la bataille n'est pas perdue d'avance? Alors la bataille n'est jamais perdue, d'autant plus que c'est une guerre principalement intellectuelle, et évidemment avec des moyens matériels. On est là aujourd'hui pour parler du déploiement de matériel, mais c'est une guerre intellectuelle, donc elle n'est jamais perdue, il suffit de trouver le bon cerveau. Moi je pense qu'on n'a pas à pleurer, en revanche on a à rougir. On n'a pas à pleurer parce que on a favorisé l'émergence des GAFA ou des GAFAM, parce qu'on n'a pas donné leur chance aux produits numériques qui existaient, hein, à la sortie des années 90, aux produits numériques qui auraient pu remplacer
les GAFA et GAFAM, pour plein de raisons. Et la question n'est pas là, c'est maintenant comment est-ce qu'on les combat. Et le temps qu'on pleure, les BATX, donc du côté asiatique, les BATX sont apparus. Alors, si on peut continuer à pleurer, et puis on va regarder les autres faire. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus hyper interdire, hyper réguler, parce que l'astuce du côté de celui qui a envie de tricher, elle a toujours un coup d'avance. On va passer notre temps à réguler en arrière-coup. Non, je pense qu'il faut donner un essor numérique assez important, rappeler l'importance dans nos vies quotidiennes, et je ne dis pas pour des poêles connectées, mais bien pour un quotidien, et qui en plus est en permanence évolution, mais pour un quotidien de nous en tant que citoyens, de nous en tant que particuliers chez nous, de nous en tant que salariés ou dirigeants d'entreprise ou participants à une administration publique, chacun de nous a un besoin absolument essentiel du numérique. Ne serait-ce que pour des démarches, vous connaissez toutes les applications et tout le monde les utilise. Je parle des choses qui sont moins farfelues que de s'envoyer des photos, mais ça, ils en reviendront, nos chers adolescents. Mais en tout cas, si on n'est pas content, faisons-le nous-mêmes. Il n'est jamais trop tard pour reprendre la main sur l'infra, peut-être par une normalisation, mais on a vu aussi que les belles normes du côté de l'informatique, je parle vraiment de la partie logicielle, le software, les belles normes sont apparues par des acteurs privés qui ne sont pas systématiquement normés, mais qui ont créé un standard de facto, qui ensuite est normé probablement, par l'AFNOR, par l'ISO. Et ces acteurs sont des acteurs économiques du monde numérique, et il est nécessaire qu'ils reprennent la main. Donc vous avez cité le cloud, on pense tous à nos amis de Roubaix, et on espère qu'ils vont prendre la main, même si les opérateurs ou d'autres grands acteurs se tournent vers des solutions aujourd'hui plus américaines ou en tout cas anglo-saxonnes. Mais c'est normal. C'est normal aujourd'hui, si vous voulez une puissance colossale à la demande, il faut prendre des grands clouds qui ne sont pas encore des clouds souverains, tout en favorisant l'émergence du cloud souverain. Il faut favoriser l'émergence probablement de systèmes d'exploitation ou en tout cas de logiciels essentiels à l'intérieur des systèmes d'exploitation comme la crypto française, l'identification, l'authentification française ou européenne, on va s'élargir un peu. Il faut que les grands acteurs permettent cet essor-là. Et c'est tout à fait possible, puisque dans le standard qui est devenu le standard de facto du système d'exploitation, qu'il soit dans le terminal mobile ou sur l'ordinateur à la maison ou à distance dans votre banque, il y a de la place pour ces acteurs tiers et pour rajouter ces petits points d'ancrage à l'européenne. Mais je le redis, et nous c'est ce qu'on constate dans notre métier, hein, je rappelle, on est une entreprise de services numériques, et donc ce service numérique, il doit être pleinement épousé, et qu'on soit plus sur, oui, l'informatique, les développeurs sont des bidouilleurs gentils, mais ils sont quand même un peu bizarres. Non, c'est un métier hyper noble. Le technicien est absolument nécessaire. Le mainteneur du data center... Il y a un problème avec ça, d'après vous ? De perception ? Oui, il y a un problème de perception, mais il n'y a qu'à regarder le nombre, la population féminine à l'intérieur de cette population, à l'intérieur des, mais même des jeunes diplômés, ça continue. Bien sûr, moi j'ai passé mon diplôme il y a plus de 25 ans, mais c'était déjà le cas. Et y a beaucoup de messages. Tu ne vas quand même pas être programmateur. Alors non, je ne vais pas être programmateur parce que ça, c'est le bouton dans mon lave-linge. Je peux être éventuellement programmeur. Et si je vais l'être, bien sûr, je vais l'être. Parce que c'est une discipline d'ingénieur et même de docteur et qu'il y a des gens éminemment importants et intelligents qui choisissent ce métier. Et en plus, ça n'est pas une voie sans fin, au contraire, puisque c'est... Enfin, une voie, pardon, sans issue, c'est au contraire un chemin sans fin. Parce que c'est la qualité du numérique et notre indépendance numérique en dépend. Donc, soit on critique en disant « c'est dommage que les autres y soient allés tout en n'y allant pas », ça peut être un choix, c'est dommage, on va subir, et comme vous l'avez dit, des gens qui n'ont pas forcément notre culture ou qui, en tout cas, n'ont pas ces freins et ces règles et qui vont nous envahir, ou alors... On reprend la main. C'est encore possible, c'est une discipline intellectuelle. Pour reprendre la main, je fais le parallèle donc, avec Gérard Longuet, là, qui malheureusement n'est pas avec nous. Mais à ses yeux, le plus important, c'est de choisir ses domaines. On sait qu'on ne pourra pas être bon partout en France et au niveau européen. Donc il faut sélectionner les domaines dans lesquels on sait qu'on peut avoir une carte à jouer, soit parce qu'on a une industrie qui est très forte, soit parce qu'on a déjà de temps en temps un petit avantage.
un petit avantage compétitif. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Peut-être Christine Hénion pour commencer. Est-ce qu'il faut arriver, dans le cadre, je reviens sur ce débat citoyen sur les usages, mais arriver à cibler des domaines critiques? Alors, il y en a eu, par exemple, pour reciter, il y a eu l'IA et le cloud avec Gaia-X. Est-ce que derrière, ça, c'est un impératif pour pas se disperser face à des concurrents chinois et américains qui ont des moyens financiers plus conséquents? Alors, Gaia-X, pour moi, c'est un projet qui est essentiel à plusieurs titres. Ce n'est pas uniquement un sujet de technologie cloud. De protection des données des entreprises. Bon, protection des données des entreprises, et c'est aussi penser un réseau de nuages comme une infrastructure, et comme une infrastructure essentielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de réseau télécom, on parle de réseau électrique, et ben demain, on parlera de réseau de données. Et réfléchir dans ce sens-là, ça, je pense que c'est extrêmement original par rapport à ce qui a pu être fait même par les Américains, qui, eux, bon, bien sûr, ils ont leur réseau, Google, Facebook, mais c'est une entreprise privée qui le fait pour elle-même, pour ses propres besoins. Là, c'est l'Europe qui se dit, enfin l'Europe au départ, donc c'est les Allemands et les Français qui veulent y aller, et j'espère qu'ils vont agglomérer autour d'eux l'ensemble des pays européens, mais c'est dire non, on va avoir un réseau commun qui sera une infrastructure essentielle, donc effectivement tout ce qui concerne la cybersécurité, ça doit être embarqué dès le départ, avec un possible partage de données. Peut-être des reventes de données, bon, tout ça, ça doit se réfléchir et se mettre en place. Et donc, par filière, donc là aussi, on doit penser normalisation, parce que bon, les données, pour qu'on les échange bien, il faut quand même qu'elles sachent se parler. Et puis, la gouvernance de tout ça. Hein, quelle gouvernance? Et donc là, je pense qu'il y a aussi la place du politique sur un sujet qui me paraît extrêmement... essentiel pour l'avenir de l'Europe. Oui, là, c'est vraiment un sujet souverain. Pardon, la question, c'est... Est-ce qu'il faut une spécialisation qu'il faut une... choisir en tout cas les axes dans lesquels on souhaite être bon, et puis en plus, donc sélectionner les filières, comme vous le disiez, et ensuite mettre en place une gouvernance spécifique pour ne pas s'éparpiller, quoi. Ouais. De façon générale, il est évident qu'on ne peut pas miser sur les produits à forte intensité de main-d'œuvre. On est condamné au haut de gamme, autrement dit. Hein. Ce que l'Allemagne a très très bien compris, avec son positionnement industriel haut de gamme, ce qui lui permet d'avoir finalement des coûts du travail qui ne sont pas tellement inférieurs aux nôtres, en fait. Mais quand vous vendez plus cher, évidemment, vous n'avez pas de problème de marge. Notre drame, c'est que, c'est un peu comme en stratégie, on est stuck in the middle. On n'est pas tout à fait bas de gamme. De toute façon, on ne pourrait pas, avec notre coût du travail, avec notre système social, ce n'est pas envisageable. Et puis, on n'arrive pas à être haut de gamme. Donc, de toute façon, il faut qu'on investisse, qu'on ait une économie à forte intensité en compétences, en forte intensité en capital humain et en capital technologique. Voilà. Après, en effet, on ne peut pas être bon partout et... il faut qu'on soit capable de développer des compétences et des filières qui soient plus performantes. On est assez bon en technologie de santé, on était bon évidemment pour des raisons historiques en aéronautique, on était bon en technologie nucléaire. Il y a des choses comme ça dans lesquelles il faudrait qu'on évite, en tout cas déjà de ne pas perdre, qu'on évite de perdre et puis avant de gagner. Ce serait peut-être la seule perspective positive d'un commissariat au plan, c'est que plutôt que de ressusciter le plan quinquennal où on va inventer des chiffres à la fin à la façon soviétique, c'est plutôt d'essayer de donner les bons encouragements, de créer peut-être les bons clusters pour arriver à faire qu'on développe laisser au privé la capacité de développer les choses. Et là, il faut bien dire, notre problème, c'est qu'on n'arrête pas d'exporter des gens hyper bien formés. C'est quand même dramatique. On importe beaucoup trop, mais un truc qu'on exporte formidablement bien, c'est les cerveaux. Et ça, il faudrait que ça s'arrête. Alors, pour que les cerveaux restent, eh ben, regardez les derniers prix Nobel, hein, malheureusement, pourquoi ils sont partis, hein, les conditions de travail, le niveau de rémunération naturellement, le type d'aide que vous avez dans le développement, les perspectives que vous offrez. Quand vous n'arrivez pas à offrir aux élites en termes de compétences, des perspectives positives, elles s'en vont. Et ça, c'est quand même un drame, parce que finalement, on a tout chez nous. À l'origine, on n'a même pas besoin d'importer ces cerveaux, et il suffirait qu'on les garde. Voilà. Et ce qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui. Alors moi, je ne suis pas tout à fait... Donc, vous êtes pour un pilotage stratégique,
Et puis j'ajouterais quelque chose, parce qu'on a, parlé des domaines dans lesquels il faudrait probablement se spécialiser si on veut être bon, mais vous me disiez en amont qu'il y a aussi certains domaines qui seraient peut-être moins essentiels de pousser, comme le streaming 4K par exemple, ou la réalité virtuelle. Voilà, peut-être un mot à ce sujet. Oui, enfin, on revient à la notion de priorisation. Alors, ouais. Je suis tout à fait d'accord avec Gérard Longuet sur le fait qu'il faut prioriser, mais alors, moi je dirais qu'il faut aussi prioriser par rapport aux défis qu'on doit affronter. Je reviens sur le fait que, parce que les faits sont têtus, comme disait l'ancien Premier ministre, les contraintes environnementales et naturelles auxquelles nous devons faire face dans les 10 ans à venir vont être beaucoup plus fortes que ce que nous avons pu expérimenter jusqu'ici. Et donc, je pense qu'en termes d'innovation, il faut aussi réfléchir, en quelque sorte, en termes de modèles d'affaires que nous voulons mettre en place, et également de techniques de conception. Je pense que ce qui sera de plus en plus important, c'est d'arriver à générer, en fait, des bouts de l'économie qui fonctionnent en utilisant le moins d'énergie possible et en réutilisant le plus de matériaux possible. Donc ça nous oriente vers l'économie de la fonctionnalité, ça nous oriente vers l'intégration le plus en amont possible de la contrainte énergétique dans la conception des équipements, hein, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui, ce qui est un facteur, mais plutôt nice to have qu'essentiel. Et là, je pense que, pour le coup, l'Europe a une carte à jouer, parce que ça n'est pas forcément dans l'ADN des Américains, en tout cas, et c'est pas forcément dans l'ADN des Chinois, sauf s'il y a effectivement, pour le coup, un pilotage stratégique qui fait que ça le rentre. Et donc, en parallèle, si vous voulez, des technologies sur lesquelles il faut choisir, je pense qu'il y a aussi cette façon de concevoir à la fois les systèmes et l'utilisation qui en est faite, qui peut constituer un avantage stratégique, en fait, à terme pour l'Europe, à 10 ans. Et je pense qu'il y a, pour le coup, là aussi, il y a des petites sociétés aujourd'hui qui développent ce genre de choses, mais qui n'ont pas, qui ne sont pas au-dessus du radar comme elles pourraient l'être. Thibault, du créa à ce sujet. Oh ben juste un mot, parce que c'est un peu consensuel. Ouais. On est relativement d'accord. J'ai quand même une remarque. Je pense que vous avez une remarque. Oui. Et tant mieux, on sera content d'avoir. Mais alors, moi, je dirais deux choses. Effectivement, et je suis déçu que M. Longuet n'ait pas pu nous exposer sa position plus en détail, parce qu'il a raison, n'allons pas nous perdre là où on n'est pas très fort, et on sait que la formation, l'enseignement est assez peu efficace à court terme, puisqu'il faut attendre que les générations montent et imposent leur savoir. Et alors justement, moi je pense que cette régulation, ces débats doivent être animés en priorisant fortement ceux qui aujourd'hui ne sont pas responsables de l'état dans lequel est la société ou leur environnement, et qu'on doit beaucoup plus les écouter. Il faut désisoler les plus jeunes, qui vont avoir un accès à l'emploi rendu en plus difficile avec la crise économique, mais que déjà on regarde en disant « t'es sympa, mais t'es jeune, alors tes bonnes idées, tu sais, hein, on en a vu d'autres, mais on en a vu d'autres et on a perdu toutes les guerres économiques récentes. Donc on va essayer de les gagner, et je pense qu'il faut les écouter. La place de la population féminine, qui est aussi à débattre, la place de l'inclusion, les biais culturels, je pense que ces questions-là doivent être mises en avant à l'intérieur, à ce moment-là, de ce qui sera un débat beaucoup plus sain. Et je pense qu'il faut leur donner la parole fortement. On a une population jeune, si je reprends juste ça, hein, ou une population qui a envie d'un changement, et je pense que c'est un changement raisonné en plus. Donc si on ne les met pas dans la régulation ou dans les débats, je pense que ce sera un débat vain. Et c'est en plus une population qui étend le champ des possibles, aujourd'hui limité par ce qu'on saurait faire à date. Je pense que si on peut mettre le « à date » dans le futur, on aura un champ des possibles beaucoup plus vaste. Christine Agnon. Oui, alors merci d'avoir dit ce point-là, parce que je pense qu'effectivement,
plus on aura de profils différents pour aborder ces sujets, en plus on sait que mieux ce sera pour le numérique, parce qu'on a besoin de créativité. On le sait que avoir des femmes pour la cybersécurité, c'est important. Alors, je suis aussi présidente d'une fondation, hein, Femmes at Numérique, donc c'est des sujets que je regarde de près. Je voulais quand même réagir par rapport à ce qu'on disait sur ces axes stratégiques. C'est vrai, maintenant il faut être un petit peu méfiant et puis se rendre compte que de temps en temps, comme on est dans de la rupture et qu'on n'est absolument pas capable de savoir ce qui va prendre, ce qu'on va considérer comme des gadgets et dont jamais personne ne servira. Mais prenez par exemple tout ce qui est les assistants vocaux. Aujourd'hui, ça grimpe en flèche dans les usages des Français. Et c'est quelque chose qui peut être quand même assez pernicieux, si on parle, et même très pernicieux, si on parle d'échanges de données et de consommation d'énergie. Parce que pourquoi, pour allumer un interrupteur, il faut faire le tour de la planète avec vos données. Bon, donc, et ça, personne ne s'en rend compte, parce que les gens ne sont pas informés, que c'est transparent pour eux, qu'ils ne le voient pas. Donc, et ça risque, pour un objet comme ça, de nous faire perdre aussi la main sur des choses qui, par ailleurs, peuvent être essentielles et toucher aussi à notre souveraineté. Donc, les grands plans stratégiques, parce qu'on est quand même assez bon en France et en Europe pour pouvoir les faire et les mettre sur le papier, mais attention justement, parce qu'on est dans des technologies, des innovations extrêmement agiles, et donc il faut arriver aussi à avoir toute cette réactivité et mettre en place des processus, des moyens de réagir qui nous permettent d'avoir un petit peu la perception de ces dangers et puis d'être effectivement suffisamment réactif là-dessus. Olivier Babou, est-ce que vous pensez que la nouvelle Commission européenne, avec Thierry Breton, est-ce que vous pensez qu'elle est aujourd'hui, enfin voilà, qu'il y a cette préoccupation de ces sujets-là? On a parlé de souveraineté numérique. Enfin, ça fait 2 ans maintenant qu'on entend beaucoup parler de souveraineté numérique, comme si on découvrait que finalement on est tous biberonnés depuis des années au service des GAFA et qui sont devenus des services essentiels pour le coup, des gadgets peut-être au début, mais qui sont devenus des services essentiels. Est-ce que vous estimez que la nouvelle commission permettra peut-être d'inverser la vapeur? Moi, j'ai l'impression d'un vrai changement, de la fin d'une naïveté européenne. On a mis un peu. On a eu du temps à s'éveiller, peut-être parce que, forcément, un problème de génération, les gens qui étaient aux manettes, c'était parfois des gens qui se faisaient encore imprimer leurs mails dans leur parapheur. Hein. Ce que j'ai vu, de mes yeux vus. Voilà, je ne citerai pas où, mais enfin, j'ai vu. Et donc, ça n'aide pas, si vous voulez, quand on a un ancien président qui ne connaît pas le bon coin, par exemple, ça veut dire qu'il ne comprend pas l'idée de l'économie, de la fonctionnalité. Absolument. Et donc, il ne comprend pas la logique de la plateforme, il ne comprend pas l'idée qu'on va pouvoir mieux utiliser ses actifs. Enfin, donc, il y a des compréhensions, des nouveaux enjeux qui émergent, qui mettent un peu de temps à capillariser, à revenir. Mais je crois que ça y est, c'est bon. Du point de vue de la concurrence, par exemple, on est en train de comprendre qu'on ne peut pas être les seuls vertueux, parce que c'est un peu les infortunes de la vertu, la prospérité du vice dans le reste du monde. C'est-à-dire que tout le monde fait monter des géants aidés par l'État, et puis nous, on est les seuls à dire non, on va faire la super concurrence, on va empêcher les moindres fusions chez nous. Voilà, on a des opérateurs qui sont tout petits, des de nos banques aussi d'ailleurs, pour des raisons de différence de complexité réglementaire, mais on empêche les fusions et donc on est en train d'en sortir. On n'a pas encore vu complètement la traduction, mais il y a des réflexions là-dessus, y compris sur d'un point de vue fiscal. Puisqu'on parlait du plan, c'est intéressant parce que quand on enseigne la stratégie aux étudiants, ce que je fais depuis une vingtaine d'années, on explique qu'en gros, la stratégie, c'est le plan qu'il faut avoir pour pouvoir surtout faire autre chose. En fait, c'est ça. L'idée, c'est que la stratégie, elle est forcément émergente. Ça ne veut pas dire qu'il faut. C'est pas parce que la stratégie, vous n'allez pas la mettre exactement en marche qu'il ne faut pas en avoir dès le départ. C'est un peu comme au jeu d'échecs. Vous avez une idée, mais vous allez forcément vous adapter en fonction de ce que fait l'autre. Sinon, vous n'allez pas suivre votre idée jusqu'à la fin parce que c'est là que vous allez mourir. Donc, c'est ça la subtilité, c'est que faire un plan, c'est pas dire regardez, voilà le chemin. C'est plutôt voilà l'ensemble des ressources qu'on va se donner. Et puis on a plusieurs scénarios possibles, évidemment, en fonction de ce que les autres vont faire. Et donc c'est plutôt un mode d'action, une logique d'agilité, beaucoup plus qu'un rail qui est tracé. C'est ça qui est comme ça qu'il faut le comprendre. Et quand on le construit comme ça, à ce moment-là, c'est évidemment beaucoup plus intelligent. Ouais. Luc Ferboeuf, fin de la naïveté européenne ou pas, d'après vous?
Alors, si je me recentre sur les choses que je connais le mieux, je prends par exemple les questions du numérique et de l'environnement et du fait qu'il faut effectivement faire preuve de sobriété dans nos usages numériques. J'observe pour l'instant une grande hétérogénéité en Europe par rapport à cette prise de conscience. Donc, elle existe en France, elle existe en Allemagne. C'est une manière diplomatique de nous dire que vous avez beaucoup de raisons. Non, j'imagine. Elle existe en Allemagne, elle existe dans un certain nombre de pays scandinaves, elle n'existait pas du tout en Europe du Sud, et elle est au second plan, et tout à fait au second plan en Europe de l'Est. C'est un sujet qui commence à être débattu au sein des instances communautaires. Les prochains mois, pour moi, vont être structurants, décisifs, en fait, pour décider du rythme auquel on va avancer là-dessus. Encore une fois, nous n'avons pas l'éternité devant nous pour faire ces choix. Et donc, nous ne pouvons pas nous satisfaire d'une prise de conscience, certains diraient des petits pas. Je ne m'aventurerai pas sur ce terrain, mais je pense qu'il y a quand même une réalité derrière, qui est qu'on doit avoir conscience de l'urgence de décider d'un certain nombre de choses. Et pour moi, la question est ouverte selon laquelle l'Europe va ou non saisir suffisamment ce sentiment d'urgence. Donc il y a encore des priorités à fixer, quoi. C'est pas suffisant. Il y a des priorités, en tout cas des orientations concrètes à prendre, mesurables, quantitatives, au-delà des messages positifs mais un peu vagues sur le New Green Deal. D'accord. Qui vous du créer? J'ai visité avec grand intérêt le Parlement européen à Bruxelles, mais moi, d'Europe, je n'en vois que les partenaires industriels et les entreprises. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Je ne connais pas de directeur d'une fonction métier ou opérationnelle qui soit ravi de sa DSI, qui m'en dise du bien à longueur de journée, et je ne connais pas de DSI qui me dit « je dors très tranquille ». Vraiment, je suis tranquille. Je ne peux pas être cyber-attaqué, et ma production ne va jamais s'arrêter, mes machines-outils ou mes camions ou mes trains sont correctement sous surveillance. Donc non, il y a encore beaucoup de travail, et on est là pour ça, et on est collectivement là pour ça. On pense qu'on s'est éloigné du débat de la 5G, mais pas du tout, parce que c'est un apport technologique qui devra être mesuré, mais c'est un apport technologique qu'il faudra proposer pour que ces partenaires, qui sont des Européens, en tout cas sur le continent, pour l'instant dans lequel je vis, pour que ces partenaires prennent ce bon chemin. Et ensuite, effectivement, ils travailleront avec les régulateurs, les forces politiques. Une fois de plus, je ne vois que les acteurs de l'économie, et ces acteurs de l'économie doivent encore bosser fortement sur ces sujets-là. Il nous reste encore un petit peu de temps. Il y a un sujet sur lequel je voulais revenir avec vous, Olivier Babot. C'est que quand on parlait de possibles fractures numériques, vous m'aviez dit en amont, il faut faire jouer la concurrence entre les territoires. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'en étudiant un petit peu la façon dont les choses économiques fonctionnent, on constate que les élus locaux ont beaucoup d'impact. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'un élu local qui comprend les mécanismes économiques, qui est capable d'attirer des entreprises, qui est capable de se bouger pour son territoire, il fait une différence. Ça, c'est une super bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est quand vous n'avez pas ça, malheureusement, le territoire peut tout à fait plonger parce que l'élu est à côté de la plaque. Et ça, c'est un problème. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que les territoires soient capables, que tout ne peut pas se décider à Paris. Ça a l'air hyper banal, sauf qu'on ne le fait pas. On ne le fait toujours pas. Peut-être passer mon côté un peu girondin contre la commune, parce que j'enseigne à Bordeaux, mais tout ne peut pas se décider à Paris. Et il y a un moment donné, au principe de subsidiarité, qui est un super principe de droit européen, on devrait un petit peu plus l'appliquer en France, en se disant, c'est le bon niveau de territoire, c'est le bon niveau de gouvernance qui doit s'appliquer pour certains problèmes. Donc la région, par exemple, pour l'équipement en télécom, elle doit pouvoir être capable justement de comprendre mieux son territoire. C'est elle qui connaît mieux le territoire.
Est-ce que c'est la région ou le département? Il y a peut-être une discussion, mais moi je suis un peu plus région. Je pense que s'il faut garder quelque chose et supprimer un truc, c'est peut-être le département. Mais bon, maintenant, rentrons pas dans ce débat compliqué. Est-ce que c'est le découpage en 13 départements d'aujourd'hui? Ça, c'est aussi une autre question. En tout cas, il faut pouvoir faire confiance. Dans ce sens-là, qu'il faut laisser. Quand on dit la concurrence, c'est la liberté en fait dont on parle, c'est-à-dire la capacité de chaque niveau de collectivité locale avec une échelle évidemment suffisamment raisonnable, au niveau de la commune, il y a certaines choses qu'on peut faire, mais d'autres choses évidemment qu'il faut pouvoir voir, par exemple d'ailleurs le logement, on se rend compte que c'est probablement quelque chose qu'on ne devrait pas laisser au maire, parce que c'est une partie de nos problèmes. Les technologies, c'est un truc qu'on doit pouvoir donner aux régions, évidemment en les aidant, en les pilotant s'ils veulent, etc. Pour pouvoir aider. Elles ont déjà commencé à s'en saisir. Le plan France très haut débit, c'est comme ça que c'est les RIP, les réseaux d'initiatives publiques. Et d'ailleurs, si vous prenez le Code européen des télécoms, donc il a des clauses qui s'appuient sur le modèle français pour pouvoir donc le développer ailleurs en Europe. Donc effectivement, c'est les départements donc aidés par l'Agence du numérique qui a maintenant été incluse dans l'ANCT, donc l'Agence de cohésion des territoires, parce que la demande vient effectivement des départements, mais même le New Deal. Le New Deal, on se rend compte qu'il y a des petites frictions qui sont quand même à améliorer, ça c'est en cours et ça se déploie bien, mais c'est les départements qui disent on a besoin de pylônes à tel et tel endroit. Après, et l'expression de l'agacement des députés au Parlement à chaque opportunité. Bien sûr, mais ça avance quand même. Et on voit que il n'y a jamais eu autant de d'antennes 4G d'implantées et que, comme je vous disais, au niveau des RIP, ça avance aussi. D'ailleurs, quelquefois plus vite que dans des petites villes moyennes qui, elles, doivent être équipées par des opérateurs. Non, mais tout ça, ça s'est accéléré, et heureusement, parce qu'on en a vraiment besoin. Et si ça n'avait pas été fait, j'imagine le désarroi dans lequel on serait aujourd'hui, dans une période de confinement où le numérique devient aussi indispensable. Eh bien, écoutez, on est arrivé au bout de cette table ronde et puis de ce forum. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Et puis merci à tous de nous avoir suivis en visio. Merci. 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 Merci.